Seigneur soit béni. Amen. Que son Saint-Nom soit glorifié. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans sa maison, de pouvoir exalter son Saint-Nom. Amen. Il est bon, comme notre sœur bénitiante. Il est bon de louer Dieu. Amen. C'est merveilleux. Amen. Ah, de chanter la gloire de ses dieux. Pour tous ces hauts faits, Amen. Nous accorder la grâce d'avoir le souffle de vie et d'être parmi les vivants. Je suis heureux de pouvoir voir ma sœur Esther. Amen. Je remercie le Seigneur notre Amen. Dieu qui l'a rétabli. Il nous a beaucoup manqué. Hein. Amen. Nous sommes dans la joie parce que notre Dieu nous accorde cette grâce. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur pour ses hauts faits, pour son amour à notre endroit. Pour ses compassions, parce qu'il veille sur chacun et il accorde réellement aussi son soutien, son secours. Il entend les prières, il exauce. Amen. Le précieux frère Christian me disait encore tout à l'heure dans le bureau, nous avons prié pour Gislain, je crois, le fils de notre soeur Rosalie, pardon, Rosalie, donc le frère de notre frère, et qui était donc alité, paralysé, qui ne pouvait pas. Se mettre debout, je crois que c'était cela. Et le médecin lui disait qu'à moins d'un miracle, mais ça devait être compliqué. Mais aujourd'hui, il a marché. Amen. Aujourd'hui, il peut glorifier Dieu. Et d'après ce que j'ai entendu, il est allé même voir le médecin pour lui dire, mais médecin, qu'est-ce que vous dites? Parce que vous avez dit à moins d'un miracle. Donc le miracle existe. Amen. Nous sommes heureux de voir la main de notre Dieu agir ainsi et accomplir effectivement de merveilles. Quand nous prions, le Seigneur entend. Quand nous le chantons, le Seigneur entend. Amen. Ma prière. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. Nous allons nous lever pour lire le psaume, mais aussi les glorifier aussi, Monsieur Offet. Nous lirons dans le psaume au chapitre 16. Psaume chapitre 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte, et j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Amen. C'est vrai, notre Dieu. Notre désir, c'est de pouvoir réellement être à toi davantage, mon roi. Vivre pour toi et pouvoir réellement aussi te servir comme tu le veux, notre Dieu. Tu es vraiment celui que nous aimons, mon sauveur. Tu connais réellement le cœur de ton peuple, mon roi. Tu connais réellement nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint. Combien nous désirons tant, mon Seigneur, ton Dieu, marcher toute notre vie avec toi, mon bien-aimé Seigneur. Oh, tu ne comptes que sur ta grâce, mon sauveur. Nous te remercions de tout notre cœur parce que tu es vraiment le vivant, Seigneur, le Dieu vivant qui a fait vraiment la promesse de pouvoir être avec ceux-là qui ont la crainte de son nom et ceux-là qui croient en lui, mon bénévole Père Saint, ceux-là qui craignent réellement aussi sa parole, mon sauveur. Oh, nous te remercions, mon bénévole Seigneur, pour cette grâce, mon bénévole Père, ce que tu t'es révélé aussi à nous, mon bénévole Père, ce que tu as aussi manifesté réellement, mon bénévole Dieu, ta volonté à notre endroit, afin que nous te connaissions. Toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. Louange et honneur à toi. Quel privilège de notre Dieu d'étendre les hommes sur cet éternel roi pour avoir la grâce de prier, Seigneur merveilleux, Seigneur glorieux qui a réellement manifesté et témoigné et démontré, Seigneur, que dans le ciel, sur la terre, il est le seul véritable Dieu. Louange et honneur à toi. Aujourd'hui, les hommes t'attendent, mon bénévole Saint. Les hommes cherchent encore à l'entendre, mais tu t'es laissé trouver par nous, notre Dieu. Louange. Je suis en train de
moi. Éternel notre Dieu, que ton nom est vraiment magnifique sur toute la terre, oh notre roi. Nous voyons ta main puissante, oh notre Dieu. Lorsque nous t'aimons encore, mon sauveur, tu es le Dieu qui entend, qui accomplit encore des merveilles, Seigneur. Merci d'avoir révélé mes mains, Dieu. Merci d'avoir guéri mes mains, Dieu. D'avoir soutenu mon roi. Nous n'avons confiance en toi, Père. C'est pourquoi nous te prions, mon roi, d'être avec nous, notre Dieu. Et pour que nous conduisions encore davantage, mon roi. Là où nous avons failli, pardonne, notre Dieu. Mais nous voici à toi, révélé à toi, mes mains, Dieu. Parce que nous voulons te servir, notre Père. Ce peuple est à toi, mon béni, Seigneur. Oh Dieu, le jour encore, je ne vais pas faire. Nous comptons sur ta main, puissant, mon roi. Nous comptons sur toi, mon béni, mon Seigneur. Parce que tu as dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, mon béni, mon Seigneur, mon Dieu. Si toi, tu ne vois là, il n'y aura pas de chemin, Seigneur. Tu es le chemin véritable, mon roi. C'est pourquoi nous te désirons, mon béni, mon Seigneur. Avec toi, nous sommes sur le bon chemin. Moi, je le reprends, mon Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Tu l'as dit, vous en savez le chemin, vous connaissez. Seigneur, tu es vraiment le véritable chemin, mon roi. Comment pouvons-nous aller vers les personnes sans toi-même? Louange et honneur à toi. Tu as ouvert une voie, mon béni, mon Patrice. La voie sainte, mon béni, mon Patrice. Tu l'as dit, le plus qui passera. C'est le reste de l'éternel, mon roi. Béni soit Dieu encore, Seigneur. Gloire à toi, mon roi, pour Jésus. Je les sentis qui sont montés devant ton trône. Et grâce, mon maître béni. Merci à vous d'avoir les bonnes œuvres pour tout ce que tu fais pour nous, Père. L'adoration et les grâces qui se lèvent à toi. Parce que tu es pour nous, Père. Afin que tu puisses nous enseigner, ô Dieu d'amour, et pour lesquels nous sommes venus dans cette vie, mon bien-aimé Père, pour t'écouter, pour t'entendre, mon bien-aimé Père Saint. Ô Dieu, nous voulons réellement, Père, que réellement tu puisses descendre toi-même, tu prends, et prendre contrôle de cet auditoire, mon bien-aimé Père Saint. Ô Dieu, encore ton serviteur entre tes propres mains, afin que toi tu puisses prendre de la place, mon bien-aimé Père Saint. Que tu puisses enseigner ton peuple à toi, et que tu puisses instruire ton peuple, mon bien-aimé Père Saint. Et pour cela, ce matin, nous sommes devant toi, mon bien-aimé. Non, devant un homme, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Nous nous tenons devant toi, Seigneur, le créateur de toutes choses. Ô Dieu d'amour, laisse encore que tu puisses réellement descendre dans ta gloire à toi, afin que tu puisses nous parler, afin que tu puisses nous enseigner, afin que tu puisses nous instruire, mon bien-aimé Père Saint. Parce que ce matin, Père, nous nous sommes approchés de toi. Ô Dieu, tu connais le cœur de chacun de nous, mon bien-aimé. Nous sommes venus avec nos fardeaux, avec nos soucis, avec nos problèmes ce matin. C'est au travers de ta parole à toi, mon bébé Père Saint, que oh Dieu, tu vas nous alléger, que tu vas nous consoler, que tu vas nous montrer le chemin, mon bébé Père Saint. C'est pour cela, c'est un moment vraiment crucial pour nous, mon bébé Père Saint. Nous voulons réellement nous abandonner entre tes propres mains, que tu puisses réellement, oh Dieu, nettoyer chaque cœur, chaque âme, mon bébé Père, afin que toi tu puisses prendre l'atmosphère ici, tu puisses remplir cette salle, mon bébé Père Saint, et que tu puisses instruire réellement, mon bébé Père, va encore contrôler toutes choses. Oh glorieux, très cher Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité ce matin. Oh Dieu béni, remplis encore le vase que tu vas utiliser, mon bien-aimé Père Saint. Qu'il soit le simple instrument, le simple canal que tu vas utiliser ce matin. Mais nous savons que c'est toi qui es devant nous. C'est toi qui vas nous parler ce matin. C'est pour cela que nous te disons, nous voici encore devant toi. Parle-nous, Seigneur. Va encore contrôler toutes choses. Et que l'honneur, la gloire, la louange revienne pour toujours à jamais notre Dieu. Merci pour tous tes bienfaits et tes offres. Gloire à toi, honneur à toi, louange à toi, notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Je sois le Dieu vivant. Endroit et qu'il puisse réellement nous accorder la grâce de connaître aussi sa volonté aussi
à notre endroit ce qu'il attend réellement de chacun de nous. Le Seigneur s'est choisi lui-même un peuple sur lequel il veut réellement avoir une domination et conduire et se sentir effectivement être le maître et le chef, et dont le peuple aussi répond dans le sens de pouvoir lui montrer que si tu dis une chose, c'est ce que nous ferons. Amen. Vous voyez, c'est comme lorsque l'ange Gabriel est venu vers Marie pour pouvoir lui faire part effectivement de la chose que le Seigneur lui avait déjà eu à pouvoir annoncer d'avance, mais qui, dans une certaine mesure, était un peu sorti, ou soit on l'avait peut-être lu et entendu, mais on ne l'avait pas vraiment considéré dans sa juste valeur et dans sa puissance, effectivement, comme si cela était vraiment la chose vraie et possible. Parce que parfois, on peut lire les choses qui sont écrites ou qui sont même annoncées par le prophète, mais la foi, pour pouvoir réellement la saisir et la croire sincèrement, on la croit en fait, mais d'une manière aussi intellectuelle, mais pas vraiment avec l'esprit de la foi, pour croire, réaliser que la chose, elle est vraiment vraie. Nous l'avons eu à pouvoir entendre effectivement. Il lisait dans les Saintes Écritures que la Vierge conserverait comme le Seigneur l'avait dit. Ça, il le savait. Et la plupart de ceux qui étaient donc en Israël, ils le savaient, puisque cela était quelque chose de tellement si important. Puisque même Moïse, en parlant du prophète, il savait donc que les choses allaient. Mais voilà que l'ange vient maintenant pour que les choses soient vraiment accomplies, concrétisées. Ça devient difficile de pouvoir vraiment arriver à pouvoir accepter ça. Parce que quand il a dit à Marie, voici donc tu deviendras enceinte, certainement, vous savez, la logique naturelle est entrée donc en action. Bien qu'elle était une fille d'Abraham, bien qu'elle était une créante dans son temps, effectivement, elle a dit, mais comment cela se fera-t-il, effectivement, puisque je ne connais point tant. Et voilà que lorsque l'ange lui a montré la puissance qu'a la parole de Dieu, parce que l'ange Gabriel lui a dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc, lui faisant savoir cela, c'était pour le ramener à pouvoir comprendre une chose, que quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il est responsable de pouvoir accomplir la chose en question. Parce que s'il ne la dit pas, effectivement, évidemment, s'il savait qu'il n'est pas capable de l'accomplir, il n'est pas la dire. Mais puisqu'il a dit, c'est la même chose qu'avec cet événement dont nous avons toujours entendu quand on parle de l'enlèvement. En fait, c'est devenu quelque chose qu'on sait d'une certaine manière. On en a appris, on en a lu, effectivement. Mais est-ce que vraiment nous sommes conscients qu'un jour, l'enlèvement aura lieu? Est-ce que vraiment nous marchons étant sûrs et certains que cet événement est un événement certain que Dieu a vraiment dit? Parce que en rapport avec aussi la naissance, effectivement, et aussi la Vierge qui devait concevoir, c'était quelque chose de fondamental, de tellement si important que Israël attendait cet événement aussi, comprenait que le Messie devait venir, non pas par ce canal, effectivement, que Dieu avait dit. Voilà que quand la chose s'est donc passée, la chose a été difficile de pouvoir réellement être acceptée, être crue, effectivement, parce que c'était quelque chose qui ne pouvait pas arriver à pouvoir vraiment s'aligner avec la conception même de l'homme. Donc, dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons, comme nous pouvons le voir, les prophéties bibliques nous ont été donc annoncées, les prédictions même, nous démontrant, nous disant effectivement les choses que le Seigneur a eu à pouvoir annoncer pour le temps. Et nous avons aussi trouvé grâce aux yeux du Seigneur, lorsque nous soyons instruits par Dieu. C'est pourquoi il s'agit effectivement de Dieu et de son peuple pour lesquels c'est temps, parce que beaucoup ont eu à pouvoir réellement chanter, prier ce Dieu, effectivement. Mais il a dit une chose, effectivement, qu'il a jeté le regard parmi les nations pour choisir
du milieu des nations, un peuple qui porta son nom. C'est avec ce peuple, effectivement, que Dieu traite et qu'il veut traiter. C'est pourquoi quand il y a une attraction, le peuple réalise qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Donc effectivement, il, tout ça, je l'avais dit l'autre fois, effectivement, quand le Seigneur a dit, mais quand on jette le filet, c'est pas pour attraper les crapauds. C'est pas pour attraper les tortues. Les filets, c'était pour attraper les poissons. Mais quand il est jeté, effectivement, il ramène toutes les saletés aussi. Les crapauds, les ceci et les cela. Maintenant, quand on tire le filet, il faut trier le filet, effectivement, pour que ce qui n'est pas bon, on rejette. Et ce qu'on cherchait, eh bien, on le met aussi en part. C'est la manière de Dieu de vous le faire comprendre, effectivement, que vous savez qu'on peut appeler et beaucoup sont venus. Dans la paix, effectivement, énormément sont venus. Mais en fait, parmi ceux qui sont venus, il y a des élus, il y a de ceux-là qui ne sont pas des élus. Donc les élus sont ceux-là qui sont donc concernés par ce que le Seigneur, leur Dieu, fait effectivement, et c'est avec eux que le Seigneur traite. Et il y a une relation qui s'établit en fait, entre Dieu et le sien. C'est une relation de confiance, une relation de foi, une relation d'assurance effectivement, où en réalité, quand cette personne, Dieu s'adresse à elle, effectivement, je parle de l'élu, effectivement, puisque réellement, c'est avec lui que Dieu traite, Dieu veut réellement avoir la domination sur ce qui est à lui, pour que lorsqu'il dit effectivement une chose, la chose se reflète effectivement dans la personne, en réalité. C'est comme cela que le Seigneur aimait, évidemment, aimait beaucoup Abraham, parce qu'il savait une chose que comme il dirait quelque chose à Abraham, ça va se refléter dans Abraham. Abraham allait certainement faire ce que Dieu voulait qu'il puisse faire. Dieu aime avoir cette domination. Le Saint-Esprit veut avoir la prééminence sur chacun. C'est pour ça, vous entendez, l'Écriture dit que tous ceux qui sont conduits, pas par eux-mêmes, bien que nous avons notre propre personnalité en tant qu'humain, nous avons notre propre aussi libre arbitre, parce que comme nous l'avons entendu, je l'avais déjà dit ici, quand Dieu donne le libre arbitre, il n'enlève pas. Donc ce libre arbitre est là. C'est-à-dire que tu peux arriver à pouvoir vouloir faire ta volonté. Il nous l'a montré dans les Saintes Écritures, même avec le Seigneur Jésus. Dans le jardin de Gethsemane, il avait le droit de pouvoir dire je veux ou je ne veux pas. Donc chacun de nous, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'annihile pas votre volonté à vous. En fait, vous avez le droit de pouvoir faire ce que vous voulez. Mais l'Écriture met l'accent sur un point, dit, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, notre Seigneur, veut vraiment dominer sous ceux qui sont à lui. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour ça que je l'ai toujours eu à pouvoir dire que nous ne devons jamais considérer que Dieu nous oblige. J'ai toujours eu à pouvoir le dire ici, frères et sœurs, que personne ne pouvait se dire que non, je suis obligé de pouvoir lire la parole, de pouvoir chanter Dieu, de pouvoir sinon je risque d'aller en enfer. Vous n'êtes pas obligé. Il n'y a pas une obligation pour toi de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Dieu ne t'oblige pas. Amen. Parce que tu es libre, mon frère. Tu étais esclave, effectivement, du péché. Le Seigneur est venu, il a coupé les liens. Amen. Il ne t'a pas obligé de t'attacher à lui. Donc c'est toi qui dois regarder effectivement ce qu'on a fait de toi. Amen. N'est-ce pas vrai? Ah oui, puisqu'il t'a libéré. Et puis maintenant, toi tu es libre, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette liberté? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc l'homme qui est sage effectivement, il doit maintenant se poser la question, mais je prends cette liberté, qu'est-ce que je vais faire avec? Lorsque j'étais libre effectivement, je me suis rendu compte que j'ai vendu ma liberté à quelqu'un d'autre. C'est vrai? À ce moment, vous ne savez plus faire ce que vous vouliez, parce que, vous savez, comme les gens, les drogués, par exemple. Parce que vous dites, mes frères, comment vous nous dire ça? Les drogués, par exemple. Il n'est pas né drogué. Oui. Parce qu'il est né, il vient se dire, je suis drogué, je commence à chercher les hachis, les cocaïne. Non. Non. Il est né normal. Il se trouve en marchant avec les gens, qui sont, eux, devenus les cocaïnes. Hein, qui sont des drogués, et puis tu écoutes, et goûte un peu. Mais tu peux aussi dire, non, je n'ai pas envie de goûter. Donc c'est toi, tu es libre d'acheter la cocaïne ou pas. Mais goûte un peu, mais c'est quand tu dis, ok, je vais goûter. Donc, ta volonté a accepté de voir goûter, donc tu prends maintenant, quand tu as fumé, tu dis, c'est bon, j'en veux encore. Vous voyez?
donc vous vous êtes vendu vous-même. Donc, avec Dieu, effectivement, nous pouvons réaliser que le Seigneur n'oblige personne. C'est nous, effectivement, qui devons être conscients. Vous voyez, j'ai été libéré, maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette liberté que Dieu m'a accordée? Lèvons-nous, nous allons lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 5. De Corinthiens, chapitre 5, disons. À partir du verset 11 jusqu'au verset 17. De Corinthiens, chapitre 5, verset 11, dit: connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci encore ce matin pour la grâce de pouvoir nous tenir encore dans ta maison, de pouvoir réellement entendre ta voix. Oh Jésus, nous t'aimons, nous sommes. C'est un jour de grâce béni, ceux qui sont venus de le monde comme nos frères. Mon Dieu, c'est aussi qui sont en connexion avec les pas qui sont ces âmes qui ont soif pour toi, soif pour Dieu vivant. Nous serons accordés la grâce, mon frère. Je te glorifie encore, sois avec nous, mon Père Saint. Car nous t'avons aussi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà comment cet homme de Dieu décrit les choses et nous montre effectivement quelque chose de tout à fait merveilleux. Il doit réellement réjouir le cœur de tout un chacun de ceux qui ont eu la grâce et la joie de pouvoir entendre d'abord l'évangile. Vous savez, c'est cette bonne nouvelle du royaume, cet évangile, effectivement, la bonne nouvelle a été annoncée aux uns comme aux autres. Et j'aime beaucoup comment, dans les saintes écritures, et dans les livres des Hébreux, on montre cela aussi d'une manière assez merveilleuse, combien Dieu est tellement bon. C'est dans le chapitre 4 des Hébreux, je pense que c'est cela. Il dit une chose, effectivement, nous allons lire avec vous, Hébreux au chapitre 4. Oui, donc c'est Hébreux au chapitre 4. Verset 1, Hébreux 4, verset 1, il dit: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Dans votre version, je crois qu'aucun ne se trouve exclu. Ça, non? Amen. Alors, verset 2, il dit, suivez bien, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc, effectivement, mais ces gens-là aussi, quand les anges sont apparus, effectivement, ils ont annoncé, et aussi dans Jean au chapitre 1, on nous fait savoir qu'il est venu chez les siens. Donc la parole de Dieu, il est venu chez les siens, donc ceux-là, qu'elle effectivement aussi, la bonne nouvelle avait été annoncée aujourd'hui dans la vie de David, il vous est bien sauveur, comme le Seigneur l'avait dit effectivement, qui sera donc un sujet de joie pour toutes les nations. Donc il est venu chez les siens, donc.
le sien de l'empoint reçu. Oui, et les piétés ont dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. J'aime beaucoup cette écriture, j'ai dit, c'est tellement merveilleux de pouvoir la lire, moi. Vous savez, même quand on est dans un moment où on a le cœur triste ou dans une situation, on a un peu des situations un peu difficiles, réalisez cette écriture. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est une consolation. Amen. Même quand nous sommes seuls, abandonnés de tous. Même quand même la famille, j'ai pas moi, mais au travail, partout. Parce que pour un chrétien, pour un croyant, le monde n'est pas sa place. Amen. N'attendez pas que le monde vous fasse toujours de bonnes choses, parce que votre vie à vous condamne le monde. Amen. Donc ils vous haïront toujours. Amen. Alors vous avez une consolation, c'est ce que Dieu vous a donné. Amen. C'est sa parole. Amen. Alors il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Parce que quand vous voyez les gens qui sont dehors, effectivement, ils vous regardent, ils vous reprisent. Même parfois, vous allez poser votre candidature, on voit quand vous arrivez, on prend votre candidature, on met à côté, les autres, mais vous savez que ça vous travaille, non? C'est vrai, non? Parce que le monde est injuste. Amen. Mais vous, quand vous voyez ces choses-là, revenez à la parole de Dieu. Amen. Et nous apporte la consolation. Amen. Et puis il nous assure effectivement de la capacité de ce que notre Dieu est capable. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Amen. Donc je dois être sûr d'abord que je l'ai reçu, Amen. Je crois en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Oh oui, frères, nous connaissons. C'est merveilleux quand même de pouvoir entendre l'écriture. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Lesquels sont nés. Alors là, je réalise effectivement que oui, même si j'ai des problèmes qui me tracassent derrière et qui tournent autour de moi, effectivement. Amen. Il y a quelque chose Amen. Dont je suis certain Amen. Que je vivrai Amen. Et que je suis un fils de Dieu. Amen. Parce que ça, je peux douter de beaucoup de choses. Mais de la naissance que moi j'ai expérimenté. Amen. Ah non, mon frère, non. Ça, c'est impossible que moi je puisse douter Amen. Que je suis né de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que c'est cela même l'essence même de ma propre vie sur la terre. Amen. Si je ne suis pas né de Dieu, alors j'appartiens effectivement à l'autre bord. Donc, je suis certain une chose. Que moi, donc, c'est ça ce que toi, mon frère, ce que toi, ma soeur, tu dois avoir cette certitude au plus profond de toi, ancrée, scellée. Dire que moi ici, l'enfer, n'a pas de place pour moi. Amen. Vous savez, ce qui est extraordinaire et ce qui se manifeste dans un enfant de Dieu, effectivement, c'est cette chose que Dieu a placée au-dedans. Que la Bible nous fait savoir que c'est une ferme assurance. Amen. Une ferme. Est-ce que vous entendez ça veut dire une ferme assurance. Pas seulement une assurance, mais une ferme assurance. Donc, avec ça, je suis tellement certain. Donc, cette certitude-là. Parce que mon frère et ma soeur, si toi, tu ne l'as pas, c'est qu'effectivement, il n'y a rien qui s'est passé. Amen. C'est comme quand on peut poser la question à une sœur. En fait, tu as mis au monde. Si elle commence à se gratter, je me demande si j'ai déjà mis au monde. Il y a un problème. C'est que quelque part, certainement, elle n'a jamais accouché. Mais si on lui pose la question, mais... Sœur, est-ce que tu as déjà accouché? Elle dit, mais certainement, voici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, déjà, le fait de montrer ses enfants, c'est une certitude pour elle que, oui, j'ai déjà accouché.
Il y a quelque chose sur lequel, effectivement, elle s'appuie en disant, mais avec ça, c'est impossible que je puisse me dire, mais c'est peut-être que j'ai accouché, je ne suis pas encore certain. Mais là, elle a l'assurance. Et ici, moi, je peux même dire, mais d'ailleurs, regardez-moi. Si vous me regardez quand même, je ne vais pas rentrer dedans. Je ne veux pas rentrer dedans. Que Dieu accorde la grâce. Oui, oui. Mais c'est vrai, parce que quand une femme a accouché, elle devient femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous réalisons que cette ferme assurance n'est pas une supposition, mais une certitude dont la personne a dit, mais c'est sûr et certain, la chose est là. C'est important que vous entendiez, que vous suiviez, frère. Quoi que je sache que vous connaissez très bien Jean chapitre 1, verset 12, 13, ainsi de suite, vous le connaissez bien. Mais c'est important que vous puissiez entendre. Alors, il dit, mais lesquels sont nés pas de la volonté de la chair, ni du sang. Et ils sont vraiment nés de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas se tromper. Elle ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. N'est-ce pas vrai? Et là, nous réalisons vraiment que ça, c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir d'abord passer par ce qu'on appelle cette naissance-là, être Dieu, n'être Dieu. Mais quelle donc assurance? Vous avez entendu avec moi dans 2 Corinthiens, l'Écriture nous dit une chose. Si quelqu'un, on dit bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous avez entendu ça? Amen. Vous avez entendu? Amen. Je répète. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Et puis l'Écriture continue en disant, les choses anciennes, toutes ces choses sont passées. Voici donc, choses sont devenues nouvelles. Dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 48, lisons avec vous. Matthieu 5, verset 48. Ici, nous lisons le Seigneur Jésus sur la terre, montrant aux hommes effectivement ce que Dieu était en train de pouvoir faire, et aussi comment les choses maintenant prenaient une autre tournure, effectivement, par rapport à ce qui était dans l'Ancien Testament. Et puis là, ici, vous pouvez lire vraiment, au verset 48, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Alors il nous dit, soyez donc parfaits. Il nous ramène, comme votre Père céleste est parfait. Donc, vous soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parfait. Vous suivez? Amen. Alors, regardons dans le livre de Philippiens. Nous allons avec vous. Philippiens, au chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Disons où, à partir du verset 12. Moi-même, je voudrais qu'on commence à partir du verset 10, si on veut commencer 7, c'est beaucoup plus long, vous direz chez vous à la maison. Philippiens 3, verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection,
et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Est-ce que vous entendez comment il parle? Vous avez vos Bibles avec vous? Amen. Je voudrais chaque fois que je lis, comme je l'ai toujours dit, lisez. Si quelqu'un n'a pas de Bible, qu'il lève simplement la main et dira que vous avez la Bible, lisez s'il vous plaît avec moi. Je le dis encore. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, vous suivez? Amen. Et la communion de ses souffrances. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre que je suis chrétien, eh bien, je vis pour la gloire de Dieu, je chante le matin, je chante le midi, je chante le soir, je n'ai pas de problème. Non, nous devons avoir la communion de ses souffrances. Amen. Nous devons souffrir aussi pour lui. Amen. Ça, c'est ce que tout chrétien est censé pouvoir savoir. Amen. Donc, savoir souffrir pour Christ, notre Seigneur. Aussi bien que nous aimons tant la bénédiction, nous devons aussi aimer aussi, souffrir aussi pour lui. Amen. Vous suivez? Amen. Nous continuons. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je relis le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc vous avez compris effectivement quand il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Saisir qui? Il a répondu, hein? Vous suivez? Amen. Bon, je cours pour tâcher de le saisir. Donc, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a fait sortir. Hein? Et bien maintenant, il dit, mais je cours parce que je veux le saisir. Prêtez attention. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Amen. Et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Vous suivez? Amen. Verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes devenus faits. C'est-à-dire que nous tous sommes parfaits. C'est vrai, non? Dans vos Bibles, à vous, c'est écrit comment? Parfait. Si, vous avez entendu? Amen. Je répète, nous tous donc qui sommes parfaits, hein? Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Parce que dans la Bible anglaise, c'est parfait, donc c'est parfait. Donc, effectivement, le mot parfait est utilisé. Amen. Suivez. Donc, ayant donc cette même pensée, donc nous tous donc qui sommes devenus parfaits, hein? N'est-ce pas? Amen. Ayant donc, est-ce que vous suivez, frère? Amen. Amen. Nous tous donc qui sommes. C'est écrit comme ça, non? Oui. Nous tous donc qui sommes parfaits. N'est-ce pas vrai? Oui. Nous tous donc qui sommes parfaits. Ayons donc cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Seulement au point où nous en sommes parvenus. Marchons d'un même pas. Amen. Alors, je voudrais bien revenir sur ce point-là, hein, pour que nous puissions bien comprendre les choses. Il a bien dit des choses merveilleuses là, que nous allons revenir point par point du roulant. Mais il dit, nous tous donc qui sommes imparfaits. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Il dit, nous tous donc qui sommes pas imparfaits, mais qui sommes parfaits. Ça veut dire que ce que le Seigneur Jésus a dit, en disant que soyez parfaits, ce n'était pas quand nous serons au ciel. Non, 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 non. Mais c'est quand nous sommes sur la terre. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Parce que, en lisant les Saintes Écritures, nous voyons que l'apôtre Paul le dit, nous tous donc, effectivement, qui sommes parfaits. C'est vrai? C'est vrai, non? Amen. Alors il ajoute en disant, écoutez bien, il ajoute, ayons donc cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis,
Alors les gens m'ont dit, mais alors ça veut dire que si moi j'ai un point de vue différent doctrinal d'un frère, et que lui il a aussi un autre point de vue doctrinal que moi d'une certaine manière ou d'une autre, alors mais au point où nous en sommes, frère, marchons seulement d'un même pas. Alors je pose la question, mais au point où nous en sommes où? Puisque lui il voit différemment, moi je vois différemment. Mais quel est le point où nous en sommes? Y a-t-il un point où nous en sommes? Parce qu'il ne voit pas comme moi je vois. Est-ce que vous suivez? Amen. Non, mais il faut que nous comprenions dans quel contexte, effectivement, cette parole a été donc écrite et pourquoi le Saint-Esprit l'a placée ainsi. Ce n'est pas dans le contexte, effectivement, d'autrement disant, mais oh non, frère, voyez-vous, et puisque moi je crois que la Trinité, c'est de la Bible, effectivement, et toi tu ne crois pas, bon, au point où nous en sommes, quand même, bon, puisque nous devons avoir la communion, avançons. Alors il y a un petit souci à ce moment-là, parce que nous savons que ça, c'est pas la vérité, ça c'est la vérité. Comment nous pouvons mettre la lumière avec les ténèbres ensemble? Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que la lumière chasse les ténèbres. Amen. 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 Quand c'est A, alors nous prenons A. Amen. Quand c'est B, alors c'est B. Amen. On ne peut pas prendre AB. Non. C'est soit A ou ce soit B. Amen. Autrement, alors Dieu serait le Dieu de la confusion. Mm-hmm. Mais il a dit, mon peuple ne sera plus Amen. Jamais dans la confusion. Amen. N'est-ce pas vrai? Il a menti, il dit, lorsque les ténèbres couvraient la surface de la terre, Dieu dit que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. Amen. Et puis, dans 2 Corinthiens 6, il dit, mais quel rapport Amen. Y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Dieu ne se mélange pas. Amen. Dieu se tient toujours dans la vérité. Amen. Donc, dans la lumière, nous devons avoir effectivement... Alors, qu'est-ce qu'il en est ici dans les Saintes Écritures? Mais la parole de Dieu nous répond, hein? Quand il a parlé que... il dit bien ici, bon, puisque nous sommes parfaits, ayons donc cette même pensée. C'est quelle est donc cette pensée en question dont il parle, effectivement, parce qu'on extrapole, on va être dans un... Mais c'est ici, hein, regardez bien. Il dit ici, regardez très bien. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Ce que, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, mon frère et ma sœur, ce que chaque véritable enfant de Dieu doit arriver à pouvoir comprendre est ceci. Lorsque Dieu m'appelle, le Saint-Écriture dit ceci, que, car tous ceux que Dieu a connus d'avance, il a aussi prédestinés. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est pas vrai? Amen. Donc si Dieu t'a appelé, et après les avoir appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ceux qu'il a appelés, il a aussi justifié. Amen. 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 Donc justifié, c'est-à-dire que c'est comme si tu n'avais jamais, jamais rien fait. Amen. Nous avons entendu que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Mon frère et ma soeur, on ne peut plus revenir sur ce qui est à l'arrière. Amen. Amen. La Bible dit, mais tendons à ce qui est parfait. Amen. Chaque véritable enfant de Dieu doit oublier ce qui est en arrière et avoir constamment la pensée d'aller en avant. Amen. Parce que chaque fois que tu retournes en arrière, tu recules. Amen. Les regards tournent en arrière, tu recules. Quand l'esprit tourne en avant, quand tu avances, tu avances. Amen. Avec le regard tourné vers l'avant, tu avances. C'est pour dire, je cours. Amen. Je ne recule pas dehors, mais je cours. Amen. Amen.
pour remporter. Ah, vous avez remarqué une chose, mon frère et ma soeur. S'il vous plaît, frères et sœurs, quand vous écoutez la parole, ouvrez bien vos oreilles et lisez bien les saintes Écritures. Regardez comment l'écrit tout le monde. Ici, il dit une chose, regardez bien. Verset 14, il dit, je cours vers le but. Vous voyez cela? Parce que lui, il devait savoir le but pour lequel Dieu l'avait appelé. Vous savez, nous avons eu et des fardeaux dans notre marche, dans notre vie de tous les jours, effectivement. Oui, les saintes Écritures, on l'a démontré, frères et sœurs. Mais nous devons nous souvenir, frères, de ce que Dieu lui-même a fait pour nous. Amen. Frères et sœurs, il n'y a aucun homme qui par lui-même peut se détacher de quelque chose qui a dominé son vie. Amen. C'est sûr et certain. Ça. Il a fallu que quelque chose soit fait. Et pour cela, il faut que toi, tu sois conscient de ce qui a été fait pour toi. Regardez, je vais vous montrer cela. Regardez. Dans le livre, je pense, des Hébreux, chapitre 10, je suppose que c'est cela. Après avoir, écoutez d'abord, après avoir montré ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a eu à pouvoir faire effectivement, il dit, mais tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Vous vous souvenez? Mm-hmm. Tu m'as offert un corps. Il dit, mais c'est en vertu de cette déclaration, cette sacrifice, effectivement, de cette volonté de Dieu, effectivement, que nous sommes réellement sanctifiés. Parce qu'il s'est offert, effectivement. Vous vous souvenez, non? Vous vous souvenez quand même? Amen. Vous vous souvenez de l'écriture, non? Amen. Je vais te lire comme ça, vous voyez. Regardez. Hébreux chapitre 10. Il dit, verset 5. Il dit, c'est pourquoi Christ entre dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as grillé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Est-ce que vous suivez? Amen. Il dit, mais nous sommes sanctifiés par l'offrande, effectivement, du congédé, une fois pour toutes. Vous suivez? Amen. Il dit, je fais une chose oubliant ce qui est en arrière. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et je cours vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Vous savez, je reviens dans l'Hébreux 10 tout à l'heure. Je cours vers le but. Regardez bien, retenons. Il dit, mais je cours vers le but. Pour remporter le prix, veuillez bien prêter attention, il dit, mais remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous suivez cela? Donc, ce prix, effectivement, la vocation céleste est en ce prix en Jésus-Christ. Dans Hébreux au chapitre 10. Après que nous ayons lu, il a dit, mais nous sommes sanctifiés par l'offrande du Seigneur Jésus-Christ une fois pour toutes. N'est-ce pas vrai? Regardez ici au verset 26. Verset 26, les Hébreux 10, verset 26, il dit, mais car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Vous voyez l'écriture, hein? Je vais vous prêter attention. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Tu veux bien, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de deux ou de trois témoins. Verset 20. Il dit, mais écoutez bien. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Et qui aura tenu pour profane
le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, regardez très bien ceci. Et ça, c'est tellement si important. Dieu t'a fait savoir une chose. Que tout ce que tu pouvais faire, toi, ne pouvait jamais même pas ôter des péchés, même pas te rendre saint. Ta nature à toi était de pouvoir de produire tout ce qui est aussi mauvais et immonde, contraire même à ce que Dieu pouvait même vouloir avoir. Mais tu l'as fait. Parce que pourquoi? Tu étais dans la chair. Tu as vécu toute cette vie, effectivement, des chiens, tous les temps de ta vie à toi. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour être un bon monsieur, une bonne madame, effectivement. Tu n'as pas pu. Mais un jour, quelque chose s'est passé pour toi. Quelqu'un a payé pour toi. Pour qu'effectivement, que tout ton passé là soit complètement enterré. Non seulement enterré, mais annihilé. Non seulement annihilé, mais tout à fait évaporé. Donc il n'y a plus rien, 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 rien. Alors pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi regarder en arrière? Alléluia. Parce qu'il y a quelque part quelque chose dont tu n'es pas certain. Ou quelque part tu comptes sur ta force à toi de te rendre effectivement agréable à Dieu. Mais je peux chanter, je peux tout faire, je ne serai jamais agréable à Dieu. Amen. Parce que tout ce que l'homme fait sera toujours impur aux yeux de Dieu. Parce que tout homme est souillé. Amen. Voilà, voilà, regardez, voilà l'écriture suivante qui dit, regardez. Retournons dans Hébreu 10, s'il vous plaît. Verset 29, nous relisons. Pour que vous compreniez, frère. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié. Donc, par ce sang-là, nous avons été rendus saints. Amen. Nous qui étions des adultères, des voleurs, des menteurs, de tout aussi qu'on pouvait imaginer. Et les ordonnances dont cela nous condamnait effectivement, alors, ça a été donc détruit à la croix. Vous souvenez la discussion qu'avaient eu effectivement les apôtres dans Actes 15, effectivement, en rapport avec ce qui venait pour ramener effectivement le peuple qui était converti effectivement à se faire circoncire selon la loi de Moïse. Vous souvenez encore? Amen. Vous souvenez encore? Amen. Et comment les choses ont été effectivement jusqu'à ce que Pierre leur fasse comprendre que nous et ni nos pères n'avons pas su même la mettre en pratique. Mais comment voulez-vous imposer à ceux-là, nous-mêmes d'abord, son enfant de Israël, nous ne sommes pas arrivés à pouvoir les faire. Et aujourd'hui, vous voulez leur mettre encore ce fardeau alors que le Seigneur. Parce que regardez très bien, la suite des versets, il dit, mais tu auras tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Verset 28, et tu auras outragé quoi? Tu as outragé quoi? L'esprit, effectivement, de la grâce. Parce que, en réalité, vous direz, de toute façon, quand vous le faites de toute façon, il n'était même pas nécessaire que qu'il le fasse pour moi. Puisque moi, j'étais à mesure de pouvoir le faire, effectivement. Donc, ce sang qui a été versé, ça n'a pas d'importance. Vous ne le dites pas comme ça, mais en fait, c'est la manière dont vous faites, effectivement, la chose. Il dit, nous tous donc qui sommes parfaits. Et on a cette même pensée, effectivement. Et si nous sommes à quelques points, mais on parle de notre vie, donc, Dieu nous éclairera. Pourquoi? Parce que il nous demande d'éclairer pour que nous comprenions qu'est-ce que le sang a fait pour nous. Parce que comment est-ce que moi, on peut m'appeler aujourd'hui parfait? C'est pas par les doctrines, mon frère.
La perfection ne vient pas par les petits. Alléluia. Amen. Mais par les sacrifices qui ont été accomplis. Parce que lui, il nous rend saints. Amen. Il y a quelque chose de tellement si important, mon frère, que nous devions arriver à pouvoir comprendre, et surtout, comme la Bible dit, beaucoup d'appelés et peu d'élus, vous qui êtes ces élus de Dieu, vous devez réaliser, votre attention s'il vous plaît, comment le Seigneur est en train de travailler avec nous, comment la parole de Dieu commence à devenir parmi nous. Amen. Autrement, vous êtes assis là, rien que des spectateurs. Vous entendez, vous êtes habitué à pouvoir entendre, c'est bon la parole, mais en fait, vous n'avez pas la révélation de ce que Dieu est en train de pouvoir faire dans la parole. Mais c'est comme les enfants d'Israël dans le désert, on tourne en rond. C'est bon, on peut se réjouir, après on chante, c'est bon, mais vous ne remarquez rien du tout. La manière dont Dieu traite avec ton voisin, avec ta voisine, toi tu regardes tout ça, mais ta voisine et ton voisin, ils prêtent attention. Il y a quelque chose qui décroche quelque part. Ils disent, c'est les... Il y a un frère qui est venu, ici dans l'assemblée. Il est venu me voir dans mon bureau. Il me dit, mais frère, et d'abord il me dit, d'abord je te demande de pouvoir prier pour moi, pardonne-moi, parce que on avait tellement raconté des choses. Je me participe à parler même. J'ai dit, vraiment, frère, pardonne-moi, j'étais ignorant. Mais il dit, mais oui, parce qu'on a parlé, surtout on a parlé, quand on parlait colonne de feu, et puis on dit, on a entendu, mais ses frères quand même, il se prend pour, et moi-même, je suis rentré aussi dedans. Mais seulement quelque chose s'est passé, j'ai dit, Seigneur, c'est quand même pas normal. J'ai dit, comment je peux parler quand même du mal de ses frères, et puis de ce que les autres disent, effectivement, il faut quand même que je puisse avoir l'occasion quand même de pouvoir vérifier. Et dis-moi, il a prié, et puis il a dit, mais j'ai été conduit, voilà pourquoi j'ai dit que tu me pardonnes, que Dieu te bénisse, parce que maintenant Dieu m'a accordé la place dans ma mère. Je suis allé sur YouTube, et là j'ai trouvé ton interview quand tu étais à Pointe-Noire. Comme ça, puis je me suis dit, bon, je vais l'écouter. Puis j'ai écouté, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai manqué? Il dit, mais quand j'ai entendu de H.A.D.L., les choses étaient claires. Il dit, là, j'ai compris qu'effectivement, mon Dieu, j'ai failli. Il dit, frère, pardonne-moi, prie pour moi. Et puis il me dit une chose, il dit, ce que j'ai remarqué, à l'étant venu de l'assemblée, j'ai dit, frère, il dit, mais c'est extraordinaire. Les gens parlent que le réveil va. Il dit, mais dans cette assemblée, on vit déjà le réveil. Amen. Il va venir, vous pouvez le prodiguer. Il dit, mais quand on entend, il dit, quand je regardais, d'abord, et les frères, et les sœurs, et la parole, et voir réellement comment Dieu est en train de dire, mais il est bon d'être là. Amen. 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 Oui, frère. Amen. Il n'est pas le seul. L'autre qui est venu. D'ailleurs, il m'a appelé pour dire, frère, moi, avec ma femme, avec mon ami, tous nous voulons venir et on veut rester là avec vous parce que, il dit ce que nous. Il me dit, mais j'étais comme, il dit, je suis comme, vous savez, comme c'était avec Salomon et la reine de Séba. J'avais entendu. Mais quand je suis arrivé, quand j'ai vu même partout et puis rentrer même et puis et voir, écouter aussi la parole de Dieu, il dit, mais ce qu'on m'a dit était peu de ce que je venais pouvoir voir. Il dit, mais c'est encore plus grand que je pouvais imaginer ce que Dieu est en train de faire. Amen. Donc, quelque part, il y a quand même des étincelles qui se font quelque part. On réalise que non, il y a quelque chose qui s'est fait. On ne reste pas dans les habitudes, effectivement, mais dans la parole de Dieu, Dieu est en train de pouvoir ramener quelque chose beaucoup plus haut. Que ceux qui sont, il faut que vous prêtiez attention, Amen. Que ceux qui sont de Dieu sortent effectivement de l'habitude. Ils s'accrochent à la chose. Frères et sœurs, on ne peut pas parler d'enlèvement sans qu'un enlèvement ait lieu. Amen. Il doit y avoir l'enlèvement un jour. Amen. Et nous sommes dans le temps de la préparation où le Seigneur est en train de vraiment préparer. Ne vous laissez pas faire notre gloire à Dieu, on a bien chanté. Les anges sont là. Amen. On chante avec joie. Mais l'important, c'est ce que Dieu dit qui fait que l'atmosphère soit comme nous sommes. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est parce que Dieu parle. C'est parce que la parole de Dieu a son action. Amen. Que, effectivement, les anges nous entourent. Amen. 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 Donc,
ne négligez pas ce côté-là. C'est tellement si important pour vous et pour moi. Amen. C'est là. Alors, je dis, il faut savoir qu'effectivement, que, oui, ayons donc cette même pensée. Qu'effectivement, que nous n'avons pas continuellement. On va toujours regarder en arrière. Et plus vous regardez en arrière, effectivement, eh bien, ça ralentit votre marche de plus en plus, effectivement. Mais ce qui est important, dit, mais je me tourne vers le but. Pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé? Parce que je ne suis pas appelé pour pouvoir toujours regarder. Ah, là-bas, il s'est passé, j'avais fait. Et me... Non, il y a quelque chose pour lequel Dieu m'a appelé, effectivement, ce que il y a un but. C'est la même erreur, effectivement, que les Israéliens ont commis, effectivement, quand Dieu les a fait sortir. Chaque fois, un petit mouvement, aïe, les oignons en Égypte. Vous vous souvenez? N'avons-nous pas laissé plus qu'en Égypte, tout le temps en Égypte, effectivement, mais l'incrédulité s'est installée. Amen. Monsieur le Seigneur. Même jusqu'à arriver là, effectivement, dans le pays, effectivement, ils ont vu. Et puis, aïe, nous sommes donc. Il y avait toujours à ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont. Non, je n'ai pas à me regarder ce que moi je suis. Amen. Je regarde à ce que lui veut faire de moi. Amen. Pourquoi Dieu m'a appelé? Doit-il passer son temps à appeler un être comme moi? Non. Il y a un but pour lequel Dieu n'a pas appelé Abraham pour rien. Abraham savait pourquoi Dieu l'avait appelé. Et Abraham s'accrochait à l'appel pour lequel Dieu lui avait donné. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alors, il nous dit donc, nous donc, nous sommes devenus donc parfaits. Donc, si nous sommes devenus parfaits, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est réellement passé. Pour que moi, un homme charnel, effectivement, aïe, que Dieu, quand il me regarde, puisqu'il l'avait dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. N'est-ce pas vrai? Amen. Et Dieu, quand il me regarde, effectivement, et que l'Écriture l'exprime, dise de moi que je suis parfait. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Parce que vous remarquerez que dans les Saintes Écritures, l'apôtre Paul dit quelque chose dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, je pense. Nous allons le lire avec vous, hein, Colossiens. Colossiens, chapitre 1, verset 24, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est dès donc que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges me révélait maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ses mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous avez entendu? Amen. Vous connaissez l'écriture, non? Amen. À savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Verset suivant, il dit, c'est lui que nous annonçons. Vous entendez cela? C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Amen. Tout homme devenu parfait en Christ. Et l'Écriture nous dit, si quelqu'un, vous me suivez, est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici, toutes ces choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas vrai? Amen. Si quelqu'un est en Christ, je le répète encore, nous le disons avec vous, de Corinthiens au chapitre 5, verset donc 17. De Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je vous invite,
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 28, il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, quand cet homme de Dieu prend la parole de Dieu pour nous montrer effectivement la vision et la pensée de Dieu, alors ça nous ramène à ce que lui-même le maître avait dit avec raison, parce que s'il l'a dit, c'était vrai, soyez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Alors, voyons qu'au travers des Écritures, effectivement, comme l'homme de Dieu ici, l'apôtre Paul dit effectivement que, nous, j'aime bien cela, je reviens encore, mais il dit, c'est lui que nous annonçons. Donc, nous n'annonçons pas quelqu'un d'autre. Nous ne prêchons pas un homme. Nous ne prêchons pas quelqu'un d'autre, effectivement. Nous prêchons, c'est Jésus. C'est pourquoi il parle de l'évangile de Christ. Il savait, frère, que les hommes prêchaient les hommes. Il savait que les hommes prêchaient Moïse. Il dit, mais même dans les temps des synagogues, il y a des hommes qui prêchent Moïse. Mais Moïse ne peut rien faire pour vous. Amen. Prêcher Moïse, ça ne fait rien. Ça ne fera rien de vous, effectivement. Mais il y a quelqu'un qui fera quelque chose pour vous. C'est celui qui a fait de Moïse ce qu'il était Moïse. Amen. Et pourquoi il dit, mais parce que cet homme-là, lorsque tu peux rencontrer Moïse, ta vie ne va pas changer. Tu peux manger avec Moïse, ta vie ne va pas changer. Parce que Moïse est Moïse. Mais si tu rencontres celui que Moïse a rencontré, alors les choses sont devenues différentes. Il dit, mais c'est de lui-là dont je vous parle. Parce que Moïse, quand il n'avait pas encore rencontré, il était comme vous. Colérique, méchant, effectivement. Mais les jours où il l'a rencontré, il a tellement taillé Moïse. Un homme qui était colérique, effectivement. Qui pouvait casser, même taper les hommes et tuer, effectivement. Il a travaillé cet homme, effectivement, qui est devenu un homme le plus doux de la terre. Amen. Moïse est devenu un homme patient. Alors qu'il était colérique, effectivement. Oh oui, quand on est colérique, patient. Mais Dieu a travaillé tellement Moïse. Qu'il pouvait même regarder qu'on l'insultait, on le critiquait, on est tout qu'on pouvait faire, effectivement. Moïse avait toujours la miséricorde. Amen. Ce n'était pas Moïse. C'était celui qui était là, Moïse. Amen. Et c'est celui-là dont je vous parle, effectivement. Alléluia. Amen. C'est comme Paul disait, à ces dieux inconnus. Amen. Et je veux vous présenter. C'est Dieu ce qu'il fait comme merveille. Mais c'est lui, il dit, mais c'est lui, c'est pourquoi il a toujours insisté sur le fait que si quelqu'un vous annonçait un autre évangile, c'est qu'un temps de celui qui vous a annoncé, eh bien qu'il soit maudit. Parce que il y a un qui a la capacité de pouvoir vous changer. Amen. De faire de vous des incapables à devenir des hommes capables. Amen. Amen. Ah oui. Parce que Dieu ne fait rien à moitié. Tout ce que Dieu fait, alléluia. Amen. Il achève certainement. Amen. Ce que Dieu a commencé, il doit toujours l'achever. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très important pour celui qui vient à Dieu, en fait. Vous savez, j'aime beaucoup les Saintes Écritures. Nous allons rester un tout petit peu longtemps aujourd'hui. J'aime beaucoup les Saintes Écritures parce que quand nous sommes transportés de l'autre côté, effectivement, nous voyons comment Dieu a fait avec le peuple, effectivement, au temps où il a donné les ordonnances de la loi. Il dit, mais la loi était un pédagogue pour nous conduire à la chose vraie. Est-ce que vous savez? C'est pédagogue, effectivement, pour nous conduire à la
chose effectivement que Dieu voulait. Parce que la loi ne pouvait pas vous changer, vous. Amen. Or, ce que Dieu voulait, c'est que nous soyons changés. Amen. Amen. Ah oui, mon frère et ma soeur. L'homme restait dans sa nature aussi charnelle, aussi comme il était effectivement, c'était comme vous savez. Mais ce que Dieu voulait de l'homme, c'est que l'homme devienne aussi comme Dieu. Amen. C'est vrai, non? Amen. Puisqu'il a dit lui-même quand il est venu, il dit, mais soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Dieu est parfait. Amen. C'est le désir de Dieu. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Oh oui. Comme j'entends les hommes, oh monsieur, vous savez, la perfection n'est pas pour cette terre dans laquelle nous nous trouvons. Je dis oui, c'est vrai monsieur. C'est vrai monsieur. Quand on regarde le monde dans lequel nous nous trouvons, puis humainement, l'humain en soi ne peut pas être parfait. Mais frère et soeur, c'est vrai, on dit, oui c'est vrai. Mais il y a une chose que je voulais quand même vous poser comme question. Ah que c'est glorieux avec Dieu. Je vais vous poser une question. Quand vous vous regardez en tant qu'être humain, parce que l'homme ne peut pas être parfait. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais quand vous vous regardez, est-ce qu'y a-t-il quelque chose qu'on peut ajouter sur l'homme? Non. Je vous pose la question. Non. Vous avez besoin d'un troisième œil? Non. Vous avez besoin des quatre bras qui doivent se bouger? Vous avez besoin de ça? Non. Quatre, c'est vraiment six jambes? Qu'est-ce que l'homme a encore plus besoin? Quand on le regarde, qu'est-ce qu'on dit? Il est parfait. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. L'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme est parfait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait, alléluia, est parfait. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon frère et ma soeur, amen, ouvrons nos yeux. Pour que nous saisissions que c'est Dieu dont il dit ce qu'il dit, que cela est possible. Amen. Parce que toi, l'homme, tu es déjà amen parfait. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, faisons donc l'homme à notre image. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. À notre ressemblance. À qui domine surtout. Oh. La forme que l'homme a, c'est Dieu qui lui a donné. Tout ce que Dieu fait est toujours bon. Amen. Alors, réalisons effectivement comme rien n'est dit, hein, afin que nous présentions à Dieu tout homme devenait parfait. En Christ. Devenu parfait en Christ. Ah frère, est-ce que sur cette terre ici, nous pouvons être parfaits? Oui. Déjà nous le sommes. Christ. Amen. Amen. C'est la vérité, non? Amen. Posez la question, mais on doit ajouter une deuxième oreille. Donc, tout, quand on regarde, on dit, mais c'est l'inscription. L'architecte est extraordinaire. Amen. Dieu qui a créé l'homme, il est parfait. Amen. Déjà, quand on s'observe, mais si déjà ça est ainsi, amen, l'architecte qui l'a conçu, amen, il n'y a pas d'imperfection. Oh, amen. 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 Yeah. Alors, il nous dit bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses, attention ma sœur, parce que c'est par ce que nous écoutons et la réaction que nous avons dans notre cœur, parce qu'il ne faut pas dire que Dieu est mauvais.
C'est là que vous devez vous voir si le jour de l'enlèvement tu partiras ou pas. C'est quand tu entends, quand tu sors, ce que tu as reçu fait que ça monte une brique en toi. Et que tu regardes que ton comportement a changé depuis. Depuis que tu as entendu, tu as saisi, les choses ne sont plus pareilles. Mon frère et ma soeur, je veux que vous compreniez. Ce n'est pas au jour de manifestation de fils et de filles de Dieu que vous pouvez vous attendre. Ce jour-là, je serai changé, je serai droit, je serai juste, effectivement. Ce n'est pas ce jour-là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le jour où il va manifester ceux qui sont déjà. Amen. C'est vrai, frère. Ça. Vous êtes en train de me regarder. Après, vous allez sortir. Hein. Ça rentre là, et puis ça va sortir ici. Vous ne direz pas, Seigneur, mon Dieu, tu vois, Dieu ne m'écoute pas, il n'est pas bon. Non, Dieu est toujours bon. Amen. Dieu te parle, toi. Amen. Pour te montrer, effectivement, que tu étais dans le piège de l'ennemi, je coupe les liens. Amen. Ne t'accroche pas aux liens que je coupe. Je les coupe, laisse-les. Amen. Oui. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici donc, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. N'est-ce pas vrai? Oui. Et voilà comment est-ce que nous arrivons d'abord à entrer dans ce corps-là en Christ. Regardez, d'abord, il y a une chose qui se passe. C'est que, un, nous devons d'abord le connaître. Pour que nous le connaissions, il faut aussi qu'il se révèle à nous. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est comme ça que Christ est venu vers nous par la prédication de l'Évangile. Amen. Vous voyez pourquoi c'est toujours Christ notre Seigneur qui doit être prêché, même le dernier jour de votre souffle. Amen. Il n'y a que Christ dans votre bouche. Amen. Que les hommes comprennent que cet homme qui s'endort, il avait son Christ avec lui. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, quand la bonne nouvelle nous est annoncée, l'évangile, effectivement, nous avons vu réellement que, oh mon sauveur! Nous avons dit mon sauveur parce que je me suis rendu compte qu'il est mon sauveur. Amen. Qu'est-ce que je peux faire, oh Jésus, mon roi? Pour que je sois comme toi, tu as voulu, puisque tu as payé le prix. Comme ce jour-là, le jour de Pentecôte, ô bon frère, que ferons-nous? Nous sentons vraiment que là, nous avons besoin de tout ce qu'il faut faire. Voilà, j'aime cela, le cœur d'un véritable enfant. Maintenant, tout ce que tu me diras, je le ferai. Amen. Là, effectivement, il dit, mais, ô bon frère, que ferons-nous? Dites-nous ce qu'il faudra faire maintenant. Et de tout notre cœur, sans hésitation, nous le ferons. Là, c'est parce que l'évangile a percé le cœur, effectivement. J'aime Pierre parce qu'il a démontré la vérité. Ce que Dieu avait annoncé, c'est Christ qui est venu, effectivement. Et ce que Dieu a fait de lui, c'est qu'il est. Le cœur a été touché. Alors, j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit, mais je t'accepte comme mon sauveur à moi. Tout pour moi, Seigneur, ce que tu veux, je le ferai. Quand Pierre disait, ils étaient obéissants 100%. Sans dire que peut-être Pierre, ok, tu vois, non, 100% dans le cœur, dans le pensée, il dit, mais je crois. Alors ça fait son travail. Alors, une personne comme ça, quelque chose de Dieu est entré dans la personne. Il se rend effectivement que les liens dans sa vie, les goûts qu'il avait commencent à pouvoir changer. Pourquoi? Parce que son cœur est devenu à Christ. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? La Bible dit que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Vous suivez? Alors là, maintenant, il y a cette nouvelle naissance. Vous vous souvenez? Oui. Dans cette nouvelle naissance, nous l'avons attendu. Nous a été montré des choses par les Saintes Écritures. Pour que nous puissions être certains de ce que Dieu a fait, que cela est une réalité, la livre d'Ézéchiel, qu'est-ce qu'il avait dit? J'ôterai de vous
Et puis bon, je répandrai sur vous une eau pure. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. On va tout laver, effectivement, nos souillures, effectivement, tout ça est parti. N'est-ce pas vrai? Amen. Les idoles, les souillures, ainsi de suite. Donc, toutes nos traditions ancestrales, effectivement, avec des plumes aux reins, ceci et cela. Tout ça, parce que c'est pas normal qu'un frère qui dit avoir cru au Seigneur, une soeur, vous voyez bien, qui dit avoir cru au Seigneur, que quand ils ont des manifestations, des cérémonies dans leur famille, ils vont faire des cérémonies avec les trucs de coutume ancestrale. Ceci démontre que vous n'avez pas cru. Amen. C'est pas possible, comme vous entendez, oh, et voilà que, c'est un frère qui te... Oh, voilà que, oh, de toute façon, quand on est venu pour pouvoir me marier, eh bien, mon père avait demandé qu'on puisse apporter la poule. Et puis avec la peinture là, comme là-bas, chez les Kassai, c'est comme ça. On te met la peinture, on prend la poule, on coupe la tête, puis on commence à tourner. Et ça, tu es la sœur, on dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, mais c'est vrai, frère. Ça. Non, mais parce que chez nous, les coutumes sont comme ça. Mon frère et ma soeur. Il dit, mais nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, je pense, que nous puissions voir cela. Ézéchiel, je pense. Nous puissions voir cela. Ézéchiel, 36 ou quelque chose comme cela, je pense. Ézéchiel 36. Il dit, Ézéchiel 36, verset 23, il dit, je sanctifierai mon nom. Qui a été profané par les nations, vous avez profané au milieu d'elles, les nations sauront que je suis l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, vous entendez? Je vous rassemblerai de tout le pays et je vous ramènerai dans votre pays. Amen. Pas dans leur pays, les nations, mais dans votre pays. Amen. Et puis il dit ici, vous avez bien dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. L'eau pure, c'est la parole de Dieu, non? Amen. Il dit, et je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Amen. Vous avez avancé mon coup dans le coutume, effectivement, il dit, mais là, je vais tout nettoyer. Amen. Tu ne peux plus dire, moi, je suis Kassaïen, moi, je suis, je ne sais pas encore bien, ou je ne sais plus, moi, les noms, je ne sais pas Kassaïen, je le dis encore d'autres, je ne sais pas. Bon, je suis pas chinois, mais je suis chinois. Parce que chez nous, les chinois, c'est Bingli, les comment on appelle ça, les dragons qui la suivent. Parce que c'est vrai. Oh, parce que vous savez, oh frères et sœurs, ne soyez pas choqués quand vous venez à mon mariage. Parce que chez nous, je ne sais pas moi si chez nous, je ne sais pas moi où, je sais pas moi, chez nous les Angolais, je ne sais pas moi, mais chez nous les Antillais. Quand on se marie, effectivement, la femme fera la jambe comme ça sur l'homme devant tout le monde, et puis l'homme vient dans la calebasse, là, oui, on va voir, parce que c'est comme ça la coutume chez nous. Alors, frère, ne soyez pas choqués, parce que c'est la coutume. Il veut dire, oh, gloire à Dieu, vive le mariage. Non, mon frère et ma soeur. Les choses anciennes sont passées. Les traditions, les ceci et les cela, je ne suis plus là. Alléluia! Frère et ma soeur, c'est toi qui dois prendre position. Amen. Oui, oui, oui. C'est moi qui dois me marier. C'est pas mon père, c'est pas ma mère. Parce qu'au jour du jugement, c'est moi qu'on devra poser la question. Oh, pourquoi t'as pas. Non. Ma fille ou mon fils, pas de Kibukou. Non! Moi, pas de Kibukou. Non! Parce que Dieu a dit ainsi, je suis une nouvelle création. Qui m'a nettoyé, il m'a sauvé. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Alléluia. Amen. Oh, chez nous les Chinois, parce que quand on arrive à ouvrir notre magasin, il faut qu'on mette les petits bougies sur les bouddhas. Mais non, c'est pas possible. C'est tout, c'est ça. Ce sont des idoles, effectivement, Amen. Des nations. Dieu nous a purifiés. Amen. Il nous a complètement lavé parce que nous sommes devenus une nouvelle création. Amen. Parce qu'il dit, mais ce cœur-là, qui aimait un peu les kibukou ici, qui aimait un peu les calebasse à gauche, ça va dire, ce cœur-là, mon frère, je l'ai enlevé. Amen. Comment peux-tu encore avoir le goût de ces choses-là alors que moi j'ai enlevé ce cœur-là?
pour ceux qui sont. Vous voyez, c'est cela qu'on doit se poser la question si réellement nous sommes nés de nouveau. Amen. Un cœur nouveau. Amen. Parce que c'est quelque chose de nouveau, mon frère. Les choses anciennes sont passées. Tu ne veux pas t'asseoir là, aïe aïe aïe, à l'époque là, quand j'étais là, je sifflais bien les cymbales. Frère, si tu m'avais connu, moi j'étais là, cymbales. Dis-moi, ce sont des choses anciennes. Amen. Amen. C'est vrai. Et maintenant, je tourne, me regarde. Allez. Va pas vers les cymbales, vers les lions de la tribu des Juifs. Amen. Il y a des choses que Dieu nous aide. Il y a des choses, frère, auxquelles nous devons savoir cette grâce par le sang qui a été fait. Moi, j'étais un torchon. J'étais un homme mauvais, sale, mon frère. Dans le bas fond. Je sais d'où je viens. Vous avez été dans les bonnes conditions, mais je sais d'où je viens, moi. Oh oui, je sais où Dieu m'a ramassé. Amen. C'est vrai, si les gens me suivent, ils laissent ici. C'est normal parce que je ne suis pas bon. Amen. Je sais où j'ai été ramassé. Amen. Frère. Et après avoir été, moi vous voyez, frère, je gênais toute la semaine. Je sortais de cette semaine, une semaine d'être jeune. Je rentrais encore 3 jours. Frère, je suis passé par là où vous ne savez même pas, frère. Dans le bas où j'étais. Je connais la grâce de ces dieux. C'est pas que je suis meilleur que l'homme spirituel. Je n'en avais jamais été, frère. J'ai été ramassé dans les poubelles, là, dans le saleté, frère. J'y suis encore plus bas que vous. Vous êtes au moins honorable par rapport à moi. Oui, frère, j'étais dans le bas fond, ramassé, un déchet ramassé. Oh oui. Quand vous pouvez comprendre ce que c'est Dieu a eu à pouvoir faire pour vous, mon frère et ma soeur, alors vous plairez tous les jours. En lui implorant la grâce de pouvoir vous tenir, vous pouvez faillir, mais vous concourez, Seigneur, pardonne. Amen. Tiens-moi. Amen. Oh oui, frère. Oui, ma soeur. Oh oui. C'est pourquoi il dit, mais celui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel était sanctifié. Et outrager l'esprit de grâce. Il n'y a plus de pardon. Hein? Il n'y a plus parce que tu dois aller réellement trouver le pardon. Pourquoi il te dit bien? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Parce que un véritable fils de Dieu qui reconnaît d'où il a été ne pourra jamais, jamais, jamais avoir du mépris pour ce que Dieu a fait pour lui. Et chaque fois, il a toujours sa main ici, là. Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne. Oui. La main sur le cœur. Je souviens non, ce que c'est Dieu. Alors il dit, mais voilà, je vous purifierai de toutes vos souillures, toutes vos idoles. N'est-ce pas vrai? Donc Dieu, votre attention, Dieu se donne la peine de pouvoir réellement nettoyer, mon frère, déraciner, enlever. C'est pourquoi on parle du baptême de feu du Saint-Esprit. Hein? Donc, enlever, déraciner, effectivement, enlever la racine, effectivement, là au plus profond. Et puis, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que, à quoi ça sert-il de pouvoir vous purifier, enlever toutes les idoles, effectivement, si vous restez avec la même nature? Parce que, à peine chasser les idoles, vous y retournerez. Vous comprenez? Parce que quand la famille va vous dire, écoute, maintenant, c'est la pleine lune, comme la grand-mère, elle était morte, tu sais que chaque pleine lune, chez nous, il faut toujours aller sur la tombe de la grand-mère. Tu sais pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, tu ne vas pas avoir d'enfant.
C'est sur la tombe de la grand-mère que tu dois aller là-bas. Avec la poudre, avec de l'huile, avec la bougie, avec le poulet. Le poulet ne manque pas. Tu as coupé la tête, tu fais un peu de sang autour, et puis tu mets de l'huile. Parce que l'huile, c'est pour faire le bien. Et puis la bougie, c'est pour te donner la vie. Quand tu auras fait ça, et bien à ce moment-là, tu vas rentrer. Tu vas voir, tu auras le bébé. C'est vrai, oui, mais vous savez, la parole de Dieu dit, mais je vous ai dit quand même ça, c'est dans la coutume chez nous. Puis, regarde à gauche, à droite, à gauche, à droite, il ne voit pas les fruits. Bon, maman, c'est quand? C'est quand? Ah, tu veux quand? Oui, mais tu m'as parlé, non? C'est quand? Et puis, ils sont là avec ça, son sable. Tu te rencontres, mais frère ou soeur, tu vas où? Oh, mais j'entends une boule dans ton sable. Ah non, tu vas où? Au marché? On commence à bégayer. Je dis, mais tu n'as jamais bégayé, ma soeur. Qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui, ou mon frère? Qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui? Tu commences à. Je ne te connais pas comme ça. Dis-moi, frère, où tu vas, ma soeur, à moi? Parle clairement. Je veux savoir, vous savez comment sont les autres frères et sœurs. Dis-moi où tu vas, où tu veux, si tu veux, je t'accompagne. Hein, côté de... Que Dieu nous aide, frère. Il nous accorde la grâce de pouvoir réaliser effectivement ce que Dieu a fait de nous. Et puis, il dit, je te donnerai un esprit nouveau. Donc, tout ce qui est en rapport avec cette chair, effectivement, aussi, qui arrive à pouvoir réellement être dans les choses que la chair demande, effectivement, les traditions, ainsi de suite. Alors, Dieu te donne, effectivement, quelque chose qui se tiendra vraiment fermement contre. Amen. Amen. Oui. Amen. Les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Il y a un combat entre eux. Parce que maintenant tu as un cœur nouveau, ce cœur est différent. Il vient vraiment de Dieu, effectivement, pour les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Amen. Pour le but pour lequel Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Donc, l'ancien cœur-là, il avait toutes ces choses aussi immondes-là. Quand Dieu l'a changé, mais ces choses sont parties avec. Amen. Comment je peux encore me tourner vers l'arrière? Mais n'oubliez pas, l'ennemi de vos âmes, il n'entre pas, il se tient là toujours pour te souffler les pensées. Tu sais ce que tu étais, tu sais ce qui s'est passé, tu sais ce que tu as fait. Penses-tu vraiment que tu... Alors toi maintenant tu tournes le regard vers l'arrière. Mais à ce moment-là maintenant que l'incrédulité s'installe, vous lui bénissez. Vous savez, les frères et sœurs, quand Satan, les démons ne viennent pas des démons comme des oiseaux, pour tu vois. Il faut que quelque part, toi, tu aies fait quelque chose. Bien sûr. Bon, je ne sais pas pour ça aujourd'hui. Alors, il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Donc, tout est tout à fait nouveau. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, maintenant, dans cette nouvelle nature, effectivement, que tu as, comme c'est dit, nous connaître de nouveau, effectivement, et qu'est-ce qui se passe? Frère Léonard, nous connaissons, nous l'avons entendu. Mais puisque vous le connaissez, vous l'avez entendu, vous vous êtes examiné pour voir si ces choses que nous entendons, vous les trouvez en vous. La connaissance est une bonne chose. Remplir, c'est une bonne chose. Ça nous enorgueillit. Nous savons, nous connaissons, à ça nous connaissons, à nous savons. Mais l'important, c'est que qui est là, ça passe ici. Amen. De nous savons, nous passons à ce que nous le vivons. Amen. Est-ce que vous pouvez dire, je le sais, je dis non, maintenant je le vis. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, de cela, nous passons, regardez très bien. Hein? Ça, c'est la justification, comme vous savez, vous l'avez entendu, non? Mm-hmm. Vous suivez? Amen. Et puis, de la justification maintenant. L'homme qui a reçu un cœur nouveau, et puis nous passons maintenant à quoi? Vous vous rendez compte, frère, que Dieu vous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc tout est vraiment pur et vrai. Hein? Et puis il nous fait passer par quoi encore? La sanctification. Donc quand on parle de la sanctification, mon frère et ma soeur, ça veut dire que cet homme, cette femme a été vraiment réduit. Amen.
donc complètement nettoyé en fait. On a tout nettoyé. Parce que Dieu est saint, il est pur. Alors quand maintenant on dit que nous avons été sanctifiés, c'est qu'effectivement, frère, il n'y a plus rien. Vous voyez donc la justification, puis là, la sanctification. Donc, ces vases, effectivement, Dieu l'a nettoyé, récuré. Il nettoie tout, effectivement. Quand on nettoie tout, en fait, il n'y a plus de sainteté, non? Amen. Avec toutes ces choses qui étaient peut-être accrochées. Moi, je pense que, moi, je vois que, moi, j'estime que, moi, c'est ceci et cela. Oh là 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 là. Toutes ces choses sont complètement nettoyées. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, la personnalité de la personne. Suivez-moi, s'il vous plaît, ma soeur. La personnalité de la personne, sa façon de concevoir les choses et de voir effectivement et d'apprécier les choses nettoyées. Moi, je pense que, moi, j'estime que, pour moi, je crois que, pour moi, je vois ceci. Avec le moi, Dieu a nettoyé. Amen. Parce que le plus grand obstacle, ma soeur, c'est pas le voisin, non. C'est pas la soeur, c'est pas le frère, c'est toi-même. Amen. Je vous ai dit, un bon appel de temps. C'est toi-même. L'estime de soi. Amen. L'estime de soi. C'est vrai. Vous ne direz pas à Dieu, Seigneur, je ne savais pas. Il vous parle maintenant. Amen. L'estime de soi. Moi, je pense, moi, on m'a fait, moi, il y a vie, moi, tu vois, celui-là, moi, je pense, c'est cela. Donc, cette estime-là est un obstacle. Alors, quand Dieu a nettoyé toutes ces choses, tradition, on dit, maintenant Dieu regarde, il ne voit rien. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Mais comme Dieu voit que tout est conforme. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là? Mais ce que Dieu fait, c'est que lui-même, pardon, Dieu te bénisse, ma belle sœur. Lui-même, pas un ange, pas un autre, lui-même, le Dieu du ciel, il descend effectivement et il prend possession de son corps. Alléluia! Il prend possession de ce qui est à lui. Donc, s'il prend possession de ce qui est à lui, il doit dominer 100%. Parce que la chose lui appartient. Il en devient le maître, il contrôle tout. Alléluia! C'est pourquoi la Bible dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour le suivre? Personne. Mais nous, nous avons la pensée du Christ. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Un homme comme celui-là, une femme comme celle-là, cet homme ou cette femme est devenu parfait. Amen. Ya. Yeah. Oh oui. Alors, si cette personne est devenue parfaite, comme l'Écriture le dit, parce qu'il dit, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il n'a plus rien à voir avec l'ancienne nature, rien à voir avec le monde, effectivement, non. Il est né de Dieu, les choses sont changées. Les coups. Quand il était dans le monde, il avait sa façon de pouvoir parler des choses. Maintenant, Dieu a fait de lui un fils de Dieu. Un
Parce que le baptême du Saint-Esprit confirme toujours la nouvelle naissance. Amen. Ah ben oui. C'est sûr et certain. Qu'advient alors cet homme-là ou cette femme-là? Effectivement, puisque nous pouvons le voir comme les saintes écritures disent, nous tous donc qui sommes parfaits, ce que cet homme ou cette femme en Christ, ils sont donc devenus parfaits. Votre attention toujours, ma soeur et mon frère. Alors, comment les choses se présentent alors avec une personne qui est devenue parfaite? Frère, mais ce que tu nous dis, est-ce que ce n'est pas pour dire un peu ton le futur ou non? D'être de l'autre côté, probablement, parce que si longtemps que nous sommes là, nous sommes donc imparfaits. Regardez une chose. Dans le livre des Éphésiens au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, qu'est-ce que le Saintes Écritures nous disent? Regardez. Éphésiens au chapitre 2. Lisons à partir du verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant le volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de monter dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Prêtez attention maintenant. Je répète. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Verset 9. Prêtez attention. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. N'est-ce pas vrai? Maintenant, regardez le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Maintenant, il y a été un ouvrage tout à fait différent. Il a été créé où? En Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, maintenant, ce n'est pas moi ce que je fais les choses. Je fais les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour cet homme-là. De femme, effectivement, ces œuvres-là sont des œuvres parfaites. Amen. Donc, tout ce que Dieu a fait est toujours parfait. Amen. Et si ce sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi, ce sont des œuvres parfaites. Amen. J'espère que vous avez saisi. Regardez. Si vous remarquez dans les Saintes Écritures, je voudrais vous amener à ce que vous puissiez voir clair. L'homme qui est devenu parfait en Christ. Dieu dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vous suivez? Amen. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Quand
le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, lorsque il allait dans son endroit, prêcher, il agissait, qu'est-ce qu'il disait? Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est le Père qui est en moi. Croyez du moins que le Père est en moi. N'est-ce pas vrai? Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne fais rien de moi-même. Amen. Vous avez entendu? Amen. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père me montre de pouvoir faire. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alors, regardez ceci, mon frère et ma soeur. Les œuvres que Dieu lui-même a préparées pour nous, afin que nous les pratiquions, ne peuvent pas être des œuvres imparfaites. Est-ce que vous suivez? Amen. Parce que nous, ce que nous faisons comme œuvre, ce sont des œuvres qui sont imparfaites. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, verset 1, il dit, « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. » Vous suivez? Amen. « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis la reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Or, dans Éphésiens, il nous a dit, ayant été créé, nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Ce que Dieu veut que nous fassions, comment est-ce que nous considérons cela? Quand Dieu veut, suivez s'il vous plaît, quand Dieu veut que nous fassions quelque chose, prenons juste un exemple. Pour que nous comprenions. Vous suivez? Quand on nous dit, par exemple, pour l'œuvre de Dieu, j'ai dit aujourd'hui, je vous prendrai du temps, alors préparez-vous. Hein? Préparez-vous. Alors, vous vous souvenez dans les scènes d'écriture, et ça, c'est l'apôtre Pierre qui les dit, que j'aime beaucoup. Dans 1 Pierre au chapitre 1, je pense, verset 22 ou 23, 1 Pierre, hein? 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, vous connaissez par cœur. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Vous entendez cela? Amen. Donc ça,
Écoutez, s'il vous plaît, vous connaissez l'écriture, vous pouvez me suivre. Ça, ça, c'est la volonté de Dieu. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Regardez. S'il vous plaît, regardez. Pour que vous puissiez voir la différence entre les œuvres que nous produisons et celles qui viennent de Dieu, en fait. Regardez. Il dit, mais pour pouvoir aimer votre prochain, votre frère, votre soeur, tout votre cœur et avoir un amour sincère. Vous suivez cela? Il dit, vous êtes à mesure, vous. Parlant bien des élus, hein? Vous suivez cela? Vous me suivez? Amen. Parlant des élus. Parce que le Saint-Esprit est pour les élus. Amen. Vous me suivez? Amen. Il dit, vous êtes à mesure de pouvoir les faire sans effort. Puisque vous avez été régénérés, ça veut dire que nés de nouveau, Amen. Par une semence incorruptible. Amen. Et cette semence est la parole vivante de Dieu, Amen. Qui vous est prêchée par l'évangile et vous entend. Il bégaye. Donc ça, si toi, en tant qu'homme charnel, tu veux aimer ton frère ou ta soeur, tu ne pourras pas y arriver. Parce que dans ton amour, il y a une distinction. C'est de ma tribu, c'est de mon village, c'est ci et cela. Quand on veut, bon, on va peut-être faire une fête, on va appeler tous les bayats. Rien que les bayats ici, bienvenue chez moi. Parce que moi, je suis un mouya. Je donne un exemple, hein. Pour tout, on va appeler tous les Chinois. Parce que tous les Chinois, on va parler bayaka, on va dire Cambodien, de tous les Chinois, tous les Japonais, tout, et que les Japonais sont Japonais. Il y a un problème. Oui. Amen. Oui. Parce que ton amour à toi fait des distinctions. Et tu te dis que oui, tous les Japonais, en fait, les Japonais, je suis Japonais, tous les Japonais sont mes frères. Mais alors, qu'est-ce que tu fais en Christ? Amen. 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 Hey, frère, réveillez-vous quand même. Amen. Quelque part, regardez un peu de la bonne manière. Amen. Dieu n'est pas un Dieu sentimental. Amen. Dieu est un Dieu de sa parole. Amen. Amen. Vous ne direz pas, ah, nous ne savons pas, frère, on n'attend pas à Dieu comme si on attendait des poubelles qui descendaient pour nous. Non, mon frère, il ne verra pas sur les poubelles plus. Non, Dieu est un Dieu saint. Et l'attente qu'il doit avoir de lui, tu dois être sûr. Seigneur, je me suis préparé. Le vierge sage, ils avaient de l'huile, mon frère. Amen. Oh, allons-y, on ne sait pas si ça vient, ça va me prendre ou je ne sais pas si je vais partir. Non, c'est ta vie à toi. Tu Amen. Sais que si tu restais, mais qu'est-ce que la maison pour laquelle tu te bats va te faire pour toi? Qu'est-ce que l'argent va te faire? Qu'est-ce que tout ce pour lequel tu cours aujourd'hui va faire pour toi? Rien, parce que tout sera détruit. Amen. Ça sera que les chants de vos frères, vous ne réalisez pas la glorieuse espérance que vous avez. Amen. Parce que après vous ici, tous les lois qui prennent, nous l'avons vu avec vous ici, non? Nous l'avons vu avec vous sur la Sainte Écriture ici, qu'est-ce qui s'était passé effectivement? Oh nous, l'Europe, nous sommes les grands géants, fonds terrestres, barricadés, personne ne rentre. Dieu a dit, je fais revenir. Amen. Vous souvenez, non? Amen. Ben oui, monsieur. Oui, madame. La forteresse est en train de se courir. Mmh. Regardez les masses qui viennent, effectivement. Mmh. Ils doivent rentrer, frère. Pourquoi ils ne vont pas en Australie? Ils peuvent aller sur l'Australie. Et chez mes courants, l'Australie. Ah, non. On entre dans la forteresse, fermez la forteresse. On met des barrières, les barrières s'écroulent, monsieur. Ils viennent en foule, hein. Réécoutez la prédication. La chute. Sans le secours d'aucune main. Voilà. Amen. Ne rêvez pas. Amen. Ouvrez vos yeux. Amen. Même si aujourd'hui vous êtes dans. Oh, mais oh, t'as un mon frère, glorifie-toi, ma soeur. Amen. C'est que Dieu est ton Père. Amen. Parce que ce que toi tu vas vivre Amen. Est plus glorieux que les millions Amen. Est plus Amen.
plus glorieux que la vie sur la terre. Amen. Je n'en veux pas, je n'ai pas besoin de cela. Amen. J'ai besoin de lui. Amen. De vivre l'éternité avec lui. Pourquoi? Vous aimez cela parce que vous êtes sorti de lui. Amen. Ah oui, donc nous réalisons une chose que ce qui vient de Dieu. Oh, l'homme qui est devenu parfait. Il est en communion avec Dieu. Sa vie est devenue tout à fait différente, mon frère. Que ce soit l'homme ou la femme. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Quand Dieu veut, il dit, mais voilà ce que moi je veux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai préparé pour toi. Alors dites-moi d'abord. La parole de Dieu me dit de pouvoir aimer mon frère Jonas. Lève ta tête, mon frère. D'aimer mon frère Jonas. Il aimait vraiment de tout mon cœur. Et quand je le regarde, quand il aimait tout son cœur, c'est-à-dire qu'il est devenu mon frère. Donc avec frère Jonas, je peux m'asseoir, écoutez bien, moi la Bible dit, je m'assieds avec frère Jonas, je ne m'occupe pas de ce que lui peut penser de moi. Amen. Alléluia. Vous suivez? Amen. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que moi j'ai pour lui. Amen. Vous suivez? Amen. Donc, qu'est-ce que moi j'ai pour lui? L'amour. Amen. La confiance. Amen. Je m'assis à côté de lui. Donc, je lui parle effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand je lui parle, lui, mon cœur est droit. Amen. Amen. Les œuvres justes et parfaites viennent d'un cœur qui est Amen. Amen. J'ai reconnu dans le Proverbe au chapitre 4. Alléluia. Proverbe, disons Proverbe au chapitre 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous lisons à partir du verset. Verset 18. Il dit, Proverbe 4, 18, il dit, le sentier de juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix de méchant est comme le ténèbre. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Verset 3. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient le source de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Quand quelqu'un a un cœur droit, il est un homme paisible. Parce que lui-même, il a la paix dans son âme. Amen. C'est pourquoi, dans Zacharie chapitre 8, il est dit que nul dans son cœur ne pense du mal contre son prochain. Amen. 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 Parce que quand ton cœur n'est pas droit, tout ce qui sort est imparfait. Amen. 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 Nous continuons, frère. Il dit, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres de tout, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche.
et écarte ton pied du mal. Amen. Quand on dit ne te tourne ni à droite ni à gauche, ça veut dire qu'il faut l'être. N'est-ce pas vrai? Amen. Ni à droite ni à gauche, droit, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Et quand on est là, on est juste, non? Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc tout ce que Dieu nous dit est juste. Amen. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Tout ce que Dieu nous dit est juste. Amen. Tout ce qu'il dit est vrai. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Tout ce qui est dit est droit. Amen. Donc la parole de Dieu est droite. Amen. La parole de Dieu est juste. Amen. Ses œuvres sont parfaites. Amen. Donc tout ce qui est juste est parfait. Amen. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. Parce que la foi est un don qui vient de Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez? Maintenant, regardez, frères et sœurs. Vous remarquerez que dans les Saintes Écritures, dans les livres de Corinthiens, au chapitre 13, vous connaissez, qu'est-ce que l'Écriture nous fait savoir? Quand je parlerai, quand je ferai ceci, si je n'ai pas, si je n'ai pas, je suis un martyr authentique, n'est-ce pas vrai? Donc je ne sers de rien. Alors voilà maintenant les qualités qui sont sorties en fait pour la charité. Vous voulez qu'on la lise? Corinthiens chapitre 13. Corinthiens chapitre 13. Voilà les œuvres justes que Dieu a préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. Amen. Vous suivez? Amen. 1 Corinthiens 13, lisons à partir du verset 4. Mon frère Jonas, avant ta Bible, parce que je pense que c'est moi, je le dis parce que nous avons la même version. Il faut toujours garder les mêmes Bibles. 1 Corinthiens 13, il écoute bien. Amen. Dieu te bénisse, te bénisse beaucoup. 13, 4, il dit, la charité est patiente. Donc l'amour, hein? Amen. Vous connaissez cela, vous, hein? Il dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Amen. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête. Amen. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alléluia. Voilà mon frère et ma soeur, un homme ou une femme qui a atteint cette nature parfaite en Christ, effectivement. Voilà ce qui sort de cette personne. Quand bien on lui fait du mal, on va dire, je vais me venger, on verra ce que je vais lui faire. Ça, c'est l'homme ancien. Amen. Alléluia. On peut penser du mal de la personne, on peut tout penser de lui, effectivement, mais la personne ne passera pas du mal de toi. Amen. Non, mon frère. Alléluia. Même si la mauvaise pensée montait, il y a un trône de jugement en lui. Alléluia. Il dit, ça, ce n'est pas pour toi. Amen. On peut te critiquer, on peut t'insulter, mais toi tu ne peux pas. Amen. Pourquoi? Parce que je suis le Dieu qui te tient. Amen. Pour que les gens y dominent sur toi. Amen. Alléluia. Les œuvres qu'il fait, cet homme ou cette femme, sont des œuvres parfaites en Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur l'a dit, les œuvres que je fais. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas faire les œuvres imparfaites. Amen. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a aimé. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a supporté. Oh, alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a même allé jusqu'à la mort pour moi. Oh, alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Ressuscité, il m'a justifié. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est le même sentiment à l'endroit de ton frère, à l'endroit de ta soeur. Alléluia. Peu importe ce qu'il est, ce qu'il a fait à ton endroit. Alléluia. Que ton cœur à toi soit droit. Amen. Garde ton cœur plus que toute chose. Amen.
dans un homme ou une femme comme cela, il ne peut pas y avoir des calomnies. Amen. Il ne peut pas y avoir deux cœurs. Amen. De ma bouche, j'ai dit oui. Et de mon cœur, j'ai dit non. Que ton oui soit oui. Amen. Et que ton non soit non. Amen. Ce qu'on y ajoute vient certainement du malin. Amen. Il faut que... C'est comme un enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu qui est né de Dieu ainsi et qui est là placé dans cet endroit-là, sa vie est une vie paisible. Amen. Vous ne l'entendez pas qu'il a troublé tel ou qu'il a créé des problèmes à ceci. Par contre, vous entendrez qu'on lui a crié. Amen. On lui a cherché des problèmes. Parce que le poison qui était là de pouvoir, je vais le faire. Mais attention, je veux lui montrer parce qu'il m'a fait. Je veux lui montrer ces choses-là. Dieu l'a ôté. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est plus propriétaire de lui-même. Amen. Il appartient Amen. Maintenant à quelqu'un d'autre. Amen. Dont il est soumis. Amen. N'est-ce pas qu'il est dit que femme, soyez soumis à vos maris, comme l'Église. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Et soumise à Christ, Amen. Dont il est le sauveur et la tête. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc nous voyons que. Et c'est comme cela qu'on voit que ça se transporte même dans nos sœurs et nos frères aussi, quand ils sont avec leur foyer. Une femme ne va pas lever la voix sur son mari pour pouvoir lui dicter, effectivement, même si. Ne vous trompez pas. Oh, le Seigneur m'a montré, il m'a révélé, et puis moi je dois te dire que tu dois faire, tu dois faire. Alors, il y a un problème parce que, à ce moment-là, Dieu aurait changé sa façon de faire. Parce que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Amen. Amen. Alors, je ne peux pas comprendre quelle est cette prophétie de Dieu, cette vision de Dieu, même si les anges viennent avec la main de prophétie comme celui où tu le montres, toi, tu connais bien. Regardez pour que vous. J'ai juste pour vous montrer quelque chose. Afin que vous sachiez que Dieu, c'est un Dieu de sa parole. Frère Christian, il faudra me chercher un micro avec la poche ici, parce que ceux qui sont à l'étranger, ils écoutent, ils ont fait la remarque, et quand tu t'éloignes du micro, je ne sais pas, on n'entend pas bien, alors je ne sais pas ma cousine. Regardez une chose. Pour que vous voyez effectivement que le Dieu que nous servons est un Dieu de la parole. Ne vous trompez jamais. Vous savez, quand Rebecca est tombée enceinte, il attendait des enfants, non? C'est ça. Il a senti qu'il y avait des choses. Qu'est-ce qui est passé? Elle est allée consulter l'Éternel. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Dieu a révélé à Rebecca ce que Rebecca, n'est-ce pas vrai? Amen. Avait dans son sein et ce qui allait se passer. Que l'aîné, c'est pas ce que je dis, au plus jeune. C'est ça. Avez-vous vu Rebecca s'élever? Elle arrange bien sa robe. Elle va voir Isaac. Ainsi par l'Éternel. Je veux moi ici te dire que Dieu se révèle à moi. Il m'a montré ce qu'il venait. Toi, tu dois faire attention. Parce que quand le petit va naître ici, hein, tu vas voir bien que le plus petit là, il va. Hein, et toi, tu dois faire attention. Quand ça va revenir, tu dois comprendre. Il a déjà fait ça? Non. Pas du tout. Voilà une fille d'Abraham. Amen. Et là-dessus, elle s'est tue. Amen. Oui, mon frère. C'est Dieu lui-même qui a fait ce qu'il devait arriver à pouvoir faire. Avec... Parce que sinon, ça allait interférer. Elle ne veut pas prendre. Dieu lui a montré, effectivement, parce qu'il savait pourquoi il devait le faire. Mais il ne devait pas arriver à pouvoir imposer ce manifeste. Non, c'était Dieu qui voulait que les choses se passent comme cela. Amen. Donc, chacun, nous devons arriver à pouvoir connaître notre position. Amen. Notre placement. C'est comme j'ai toujours eu à pouvoir dire, vous, frères, vous, sœurs, peu importe l'enseignement que vous avez, la doctrine que vous avez, vous ne pouvez pas enseigner votre pasteur. Amen. Amen. Parfois, c'est ce que vous voulez.
pasteur, il faut qu'il fasse comme ça parce que moi je penche comme ça. D'ailleurs, ce qui m'attire, c'est pas. C'est pas comme ça. En fait, vous voulez que le pasteur, le vôtre pasteur, fasse les choses comme vous voulez. Et si votre pasteur fait comme toi, mon frère, tu le veux, aujourd'hui tu lui dis, il faut que tu fasses comme ça, il s'élève aussi, alléluia, on fait comme tu as dit. Et bien demain aussi, le frère qui est dans le fond aussi, il va aussi dire, le pasteur, moi j'estime que voilà, puis il va dedans, alléluia, gloire à Dieu, après demain encore demain. Donc chacun de vous fait donner au pasteur ce qu'il doit dire. Mais maintenant, c'est bon, vous avez dit, il a dit, maintenant, quand l'autre va dire aussi, il faut qu'il dise. Mais si ce que l'autre a dit, ça ne vous arrange pas. Comment on va faire? Comment on va faire? Il faut maintenant que vous revenez encore pour l'autre. Il faut que finalement, l'église va aller dans quelle direction? Alors maintenant, si vous pouvez savoir, si Dieu avait vraiment voulu que vous soyez pasteur, ou prédicateur, effectivement, mais il se serait révélé à vous. Amen. Il vous aurait donné effectivement aussi le ministère et l'appel. Et il vous aurait aussi donné aussi à vous avoir prêché pour que les âmes viennent écouter. Et à ce moment-là, vous devenez pastoresse, hein, ou pasteur, effectivement, pour que vous puissiez maintenant prêcher votre propre doctrine à vous, votre façon de pouvoir voir à vous. Mais si Dieu vous a donné quelqu'un, alors glorifiez Dieu. Amen. Amen. Si Dieu vous a donné quelqu'un pour pouvoir vous aider à marcher, alors glorifiez Dieu de tout votre cœur. Même si votre façon de voir ne correspond pas à sa façon, vous simplement glorifiez Dieu. Priez simplement que Dieu accorde la grâce, effectivement. N'imposez jamais votre volonté. Il faut que moi. Parce qu'un véritable homme de Dieu, Dieu lui accorde la grâce de pouvoir voir une chose, et aussi une chose que vous devez toujours avoir à l'esprit, c'est que si vraiment il est de Dieu, quand il se tient du haut de la chair, sûr et certain, soyez-en sûr, Dieu écarte l'homme. Dieu écarte l'homme et Dieu prend la place. Je ne peux pas vous raconter quelque chose qui n'est pas vrai, Bible, mais Dieu écarte l'homme. Dieu prend place. Amen. Maintenant, quand Dieu prend place, alors, vous qui êtes des élus de Dieu, pas tout le monde, les élus le sentent. Qu'il y a une présence surnaturelle qui prend maintenant le contrôle. Et ce que nous entendons maintenant n'a rien à voir avec l'homme. Je vais vous dire un petit secret. Vous savez comment Dieu fait? Parce que ça, je crois qu'il me permet. Quelque chose que je ne vais pas dire, mais quand il me permet un peu une toute ouverture. Vous savez comment Dieu fait? Quand il se tient maintenant, quand l'homme se tient, quand Dieu prend le contrôle, il ferme l'intelligence, il ferme même la pensée, les canaux de l'homme. L'homme se tient comme, et c'est que je vous dis vrai. Les choses qui sortent maintenant, Dieu donne. Parfois, vous ne vous rendez pas compte que des révélations viennent sur place et la personne apprend même sur place. Et ça, vous avez entendu quand les frères madame le dire. Quand il disait, maintenant, il dit, mais je sens que je suis devenu religieux. Parce qu'il venait de recevoir la révélation à l'instant même. Il avait eu cette équité, effectivement, et pendant qu'il prêchait, effectivement, saisi par l'esprit, il dit, mais c'est pas possible. Lui aussi, il le reçoit. Et il communique. Ce sont des choses que vous lisez les brochures, mais vous ne voyez pas. Alors, quand vous parlez du mal, ou même penser du mal de votre, ou de la personne, effectivement, que le Seigneur est en train d'utiliser, mon frère et ma soeur, vous courez un très grand danger. Ne courez jamais, jamais le risque de combattre Dieu. Amen. Je préfère qu'on m'insulte, même si qu'on me fasse de tout ce qu'on veut, effectivement, par la personne, mais jamais je ne vais laisser le ton parler. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a un des frères qui m'a écrit, me disant, mais frère, c'est quand même extraordinaire. Nous avons eu un différend avec mon frère Franck. Vous comprenez? Chacun de vous laissez, non? Je n'ai jamais été à la cour. Vous connaissez ce qu'il a dit, non? J'ai lui écrit un email. Et c'est là, tous ceux qui lisent les livres que j'avais écrit, ils m'appellent, disent, frère, c'est là qu'on dit qu'il y a quelque chose que toi, tu as en toi. Même, frère Bernard, vous connaissez, non? Qu'est-ce que je lui avais dit? Après toutes les insultes qu'il a pu avoir me dire, je lui ai dit, frère, moi ici,
Je ne te manquerai jamais de respect. Amen. Je te respecterai toujours. Oui. J'aurai du respect à ton ministère. Oui. Je ne dirai rien, je m'éteindrai simplement à la parole de Dieu. Oui. Va sur ton chemin, moi je vais sur le mien. Oui. Que Dieu nous aide. Oui. Mais quant au respect, à l'amour, à ton endroit, je ne manquerai pas. C'est dans le livre. Oui. Donc, je lui ai répondu à cela, effectivement. Parce que, regardez qu'est-ce que David a eu à pouvoir dire à Saül. Amen. Saül le poursuivait, Saül voulait tuer effectivement. Et même, on a dit, mais coupe même la tivoie, il est là, il dit, ah, qu'est-ce qu'il a dit? Quand j'ai voulu toucher à Saül, malgré qu'il m'insultait, effectivement, je voulais le toucher, mon cœur a palpité. Au roi, il dit, mais c'était en moi de l'éternel. Amen. Je ne veux vraiment rien à voir avec cela. Dieu va régler son problème, pas le mien. C'est pas le mien. Non, nous réalisons qu'effectivement, que quand nous sommes de Dieu, le Saint-Esprit a été à notre main. Comme nous l'avons entendu, le trône du jugement descend véritablement à nous. Et nous fait savoir effectivement en réalité ce que nous sommes. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui a été placé dans le corps de Christ, il ne peut pas calomnier. Amen. Alléluia. C'est vrai, je veux que vous suiviez cela. Il n'est pas possible qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu s'asseye même dans sa maison. Comment ça pouvoir pas? Tu connais la sœur Léa? La sœur Léa. Léa, oui, fille de Dieu. Avait même envoyé que ce jour-là, comment c'était là pour chanter. Je dis, je vais glorifier mon Dieu. Avez-vous remarqué comment elle s'était née? Et puis, les jours suivants, il dit, sœur Léa, gloire à Dieu, tu es une sœur merveilleuse, sœur que j'aime beaucoup, oh là 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 là, combien Dieu est bon de nous avoir donné une sœur comme toi. Hier dans ta maison. Hier dans ta maison. Frère et sœur, je ne peux pas comprendre. Non. Que nous soyons ici avec tes frères et tes sœurs. Ils sont partis, on ne les a pas chassés. Amen. Mais ils sont partis de leur plein gré. N'ayez jamais de mauvais sentiments à l'endroit de qui que ce soit. Ayez toujours de l'amour, frères et sœurs. Dieu ne nous a jamais demandé d'avoir de la haine à qui que ce soit. C'est toujours aimé. Amen. Mais si les gens se sont détachés, c'est parce qu'il se trouve que pour eux, avec nous, il n'y a pas de communion. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, je ne peux pas m'associer avec eux. Amen. Parce qu'en fait, ils ne cherchent pas à pouvoir avoir de communion avec moi. Parce que s'ils les avaient, eh ben, ils seraient restés avec Amen. Nous. Amen. La Bible dit que s'ils étaient de nôtres, ils seraient restés avec nous. Amen. Mais puisqu'ils n'étaient pas de nôtres, oui. ils sont donc partis. Cela ne veut pas dire que nous sommes appelés à pouvoir avoir de la haine, ni même à pouvoir chercher à pouvoir dire, ah, on voit si les malheurs arrivent, c'est parce qu'ils nous ont quittés. Ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas vous bénir comme cela, non. Ça, vous faites les œuvres du diable. Un fils de Dieu ne peut pas espérer que le malheur leur arrive pour que nous aidons dans la vérité. Non. Amen. Puisque nous sommes dans la vérité, nous voulons que les biens leur arrivent. Amen. Oui, mon frère. Amen. Nous prions même pour que Dieu les aide à prospérer s'il faut. Amen. Ah oui, parce que nous n'avons jamais été appelés pour chercher le malheur de qui que ce soit. Amen. Alléluia. Un ennemi de Dieu n'a pas de mauvais sentiments, même à l'endroit de son ennemi. Amen. Il l'aimera. Mais sur le de la nourriture, il donnera. Amen. Parce que c'est ce qui est en lui. Amen. Il sait faire la différence. Amen. Alléluia. Je ne peux pas m'associer avec quelque chose qui est contraire aux saintes écritures. Parce que Dieu a dit, séparez-vous. Amen. Si je dois me séparer, je garde l'amour dans mon cœur. Mais quand vous vous retrouvez par exemple, ah oui, vous savez pas, il commence à critiquer. Je donne un exemple. Oh, mais vous savez, parce que le problème, c'est le pasteur. Votre pasteur là, c'est facilement. Frère, tu sais, comme toi tu es, on se connaît bien, on se connaît bien, on va se retrouver avec rompu, on va pas. De toute façon, il n'y a pas de problème, Dieu a dit, aimons-nous les uns les autres, c'est vrai. Et puis quand on va se retrouver maintenant, quelle conversation on va avoir? Oh, mais vous
vous savez, ah, mais non, vous savez pourquoi nous avons quitté? Parce que votre pasteur, le pasteur, il exagérait ses sœurs. Vous lui dites, ah bon? Il lui dit, ah bon? Ah oui, mais là où nous sommes, parce qu'ils vont vanter, que ce Dieu nous avons quitté. Là où nous sommes maintenant, oh, l'amour de l'avons trouvé. Dieu de la... Même s'il n'y a rien, ben on va te mettre l'accent. Nous avons trouvé, bon, et puis, tu as dit, ah bon? Hey. Et chez vous là-bas, vous, oh là là là, mais là on est libre, comme si on avait des liens ici. Mais là on est libre, là-bas on se sent libre, on a des frères, on a des soeurs merveilleuses. Ici là on était des démons. Et plus tard aussi, ah bon? Ah, tu vois pas votre passion là, comment dire? Ah bon, petit à petit, papa, la congrégation rentre. Oui, et puis toi aussi tu tombes dedans. Mon frère et ma soeur, un élu de Dieu, il a une réaction en fait. Amen. Vous savez ce qui est écrit, non? Regardez bien. 1 Corinthiens 13, je l'ai mis avec vous. Regardez bien. Ah oui. Oh, 1 Corinthiens 13. Oh, pardon, frère. C'est encore à toi, non? Oui, parce que j'ai regardé. C'est une grande Bible sur le bureau. Ah, parce que. Allez, écoutez bien. Oh, regarde. Il dit la charité, regardez bien. Verset 6. Oui, hein. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas juste et droit, ce n'est pas la chose qu'un fils de Dieu peut se réjouir. Amen. Non, on se réjouit effectivement de la vérité, Amen. De ce qui est vrai. Et quand la chose n'est pas droit, mais on n'y entre pas. On ne s'associe pas à quelque chose qui n'est pas conforme. Ça ne veut pas dire que ce moment de la haine, non, on ne veut pas être contaminé. Amen. Parce que Dieu m'a fait sortir de la souillure des critiques, des murmures, des calomnies. Maintenant, tu veux me attirer encore là-bas dedans. Alors, si toi, tu y rentres dedans, c'est que quelque part, Dieu n'est pas en toi. Amen. Parce que quand Dieu est en toi, ben, le Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que l'Écriture dit? Il dit, quand l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité. Ce qui est vrai, c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ce qui est droit. Ce qui est droit, c'est ce qui est parfait. N'est-ce pas vrai? Maintenant, regardez, frère. Je vais vous montrer, je vais terminer cela. Dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 19. Il dit ici, verset 7, il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Maintenant, regardez très bien. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous entendez ça? Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Or, quand nous regardons dans le Saintes Écritures, quand on parle de ce qui est juste, c'est ce qui est... Alors, ne te doute ni à droite, ni à gauche. N'est-ce pas vrai? Amen. Ni à droite, ni à gauche. Mais je me tiens là. Dans ce qui est droit, non? Ce qui est juste, non? Or, ce qui est juste, c'est ce qui est parfait. N'est-ce pas vrai? Amen. Bien sûr, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour nous, afin que nous les pratiquions, ce sont les œuvres parfaites. Quand ce sont les œuvres que Dieu a préparées, ce sont les œuvres parfaites. Et quand on dit les œuvres justes des saints, ce sont les œuvres qui sont parfaites. Donc toi et moi, en tant que fils et fille de Dieu, c'est aujourd'hui, maintenant, dans le temps dans lequel nous nous trouvons, pas lors de la manifestation du Fils de Dieu, parce que là, maintenant, vous allez savoir ce qu'il y a, mais maintenant, mon frère et ma soeur, nous sommes appelés à accomplir les œuvres justes. La vie d'un chrétien, effectivement, parce que nous sommes appelés à être parfaits. Et cette perfection, effectivement, nous l'atteignons
lorsque nous sommes dans le corps de Christ. Amen. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, alors maintenant, nous pouvons accomplir maintenant les choses justes. Et arriver à pouvoir être maintenant la parole de Dieu à sa juste place, en pratique, effectivement, parce que ce sont ceux-là, les œuvres que nous pratiquons en Christ, que Dieu va regarder de l'autre côté, effectivement, pour que nous puissions avoir notre récompense. Pas ce que toi tu fais, non, mais ce que Christ a fait pour toi. Et ce que toi, maintenant regardez-moi, mais ce que toi maintenant, parce que pour que le Saint-Esprit puisse arriver à pouvoir faire quelque chose aussi en toi, il ne vient pas pour pouvoir t'imposer. Non, c'est en fait toi qui dois te laisser conduire. T'es laissé soumettre, effectivement. Parce que la preuve est que, aujourd'hui, par exemple, les saints disent, mon frère, ma soeur, aime ton frère, aime ton prochain. Mais c'est toi qui vas sortir. Qu'est-ce qui va se passer avec le frère ou la soeur dehors, effectivement? Les mêmes sentiments, est-ce que tu vas l'avoir pour le frère, pour la soeur? Ou tu auras toujours les sentiments, oh oui, pas de mon village. Oh oui, c'est vrai, j'ai un problème avec lui. Et certainement, je ne l'estrampe pas. De toute façon, je laisse ça quand Dieu va régler la chose. Mais Dieu a réglé la chose aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Ton cœur à toi, il est comment? Parce que si c'est un cœur que Dieu a donné un cœur nouveau, mais il obéit à ce que Dieu dit. Amen. C'est-à-dire que quand j'entends la parole de Dieu, lorsque je sors ici, dans mon cœur, il n'y a plus ce que j'avais. Amen. La chose est complètement réglée. Amen. Seigneur, maintenant tout est accompli. Amen. Pour moi aussi, quand je sors, les choses sont différentes. Amen. Maintenant, frère, ce frère ou cette soeur-là, voici frère, je l'ai déjà enseigné ici. Nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Amen. Cette pluie, effectivement, elle doit manifester le Fils et les filles de Dieu. Amen. Vous connaissez cela, non? Amen. Mon frère et ma soeur, je veux que vous attendiez encore ceci, frère. Ceci est très important. Cette pluie-là ne va pas tomber sur tout le monde. Comme effectivement, je dis, par côté, ce qui veut profiter, effectivement, ce sera plus la même chose. La pluie va tomber seulement sur la véritable sémence. Amen. Oh, c'est Dieu a été baptisé du Saint-Esprit. Donc, il faut l'être aujourd'hui pour que dans la manifestation, Amen, Dieu manifeste alors maintenant la perfection atteindra son apogée. Amen. Aujourd'hui, il faut que toi, mon frère, voilà pourquoi la parole de Dieu vous est enseignée, vos frères, pour pouvoir vous montrer la chose la plus importante, la plus principale, capitale pour vous tous, ce que vous vous trouviez là, dans le corps de Christ. En dehors de cela, toute œuvre que vous feriez ne sert absolument à rien. Amen. C'est quand on est en Christ, alors à ce moment-là, on s'est posé les actes qu'il faut parce que toutes ces choses-là, elles vont devenir naturelles. Amen. Parce que Dieu nous les a déjà préparées pour que nous les fassions. Amen. Ainsi, quand quelqu'un pose un acte qui est droit de cœur, un exemple. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est juste et droit, vous l'appréciez ou pas? Amen. Non, vous l'appréciez ou pas? Amen. Et quand il a posé cet acte, effectivement, qui est droit, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut ajouter à ce qu'il a fait? Non. Ça veut dire que son œuvre est parfaite. Amen. Que la chose qu'il a fait, comment? Est juste. Quand la chose est juste, elle est correcte, on n'y ajoute rien. Amen. Donc, on accepte effectivement cela. Maintenant, frères et sœurs, Dieu a fait de nous que nous soyons justifiés pour que nous puissions maintenant être des justes, des hommes et femmes, effectivement, qui accomplissent les actes justes et droits. C'est pourquoi tu es responsable de ce que toi, tu vas faire avec Dieu, ce que Dieu a fait pour toi. Pour faire le bien, Dieu t'a donné la capacité. Amen. En dehors de Christ, tu ne sais pas le faire. Mais il t'a dit que j'ai déjà préparé. Amen. Tu n'as pas dit que je ne sais pas aimer ces frères qui me détestent. Je ne sais pas aimer ces soeurs. Tu ne peux pas dire cela parce qu'il dit, mais j'ai déjà préparé pour toi. Amen. Si toi, tu prends cette nature-ci, aimer, ça devient simple. Amen. Supporter, ça devient normal. Amen. Parler du bien, ça devient normal. Amen. La personne peut t'avoir critiqué, mais toi, tu ne peux pas ouvrir la bouche. Mais il est mauvais. Non, non, non. L'effet même de penser déjà du mal, tu sens que ton cœur est coupable. Amen. Alléluia. Donc, Dieu est capable. Et puis, il dit, frère, il est bien. Dans Psaume, au chapitre 12, il dit, le problème, c'est qu'ils ont un cœur double.
Psaume 12. Alléluia. Il dit un cœur double. D'un côté, il dit A, effectivement. D'un côté, il dit B, effectivement. Mais quand on a un double, frère, c'est ce qui se passe, effectivement. Oh, gloire à Dieu, on se réjouit ici. Et quand on sort, on redevient la même chose. Dis bonjour à mon frère. Dis bonjour à ma soeur. Il y a un problème. Amen. Comment peux-tu passer ton frère ou ta soeur sans lui dire bonjour? Peu importe ce qu'il t'a fait. Amen. C'est pas normal, frère. C'est pas normal. Il m'a insulté, je passe, il n'y a pas de problème. Je dis bonjour, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Je fais mon chemin. C'est tout ce que je peux faire. Un simple bonjour dans la même assemblée, frère et soeur. Et oui, que nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes des élus de Dieu. Et nous sommes heureux. Nous voyageons, vous voyagez avec lui sans jamais lui dire bonjour. Alléluia, gloire à Dieu, on a beau danser. Il dit, je ne le supporte pas. Et puis il dit, mais si tu ne le supportes pas ici, où veux-tu aller avec lui? Ça veut dire que pour toi, il faut qu'il ait un enfer. Parce que si je ne veux pas le voir ici, pourquoi j'irai le voir en haut? Parce que, un fils de Dieu, j'ai dit, je ne vais pas traîner. Un fils de Dieu, je n'aime pas fermer la main, mais un fils de Dieu. Oh, c'est comme ça, frère. Moi, c'est pas facile pour moi-même. Ah, vous ne savez pas, frère, ma frère. Oui, Dieu me pardonne. Ah oui, c'est pas bon. Un fils de Dieu, il aime de tout son cœur. Et il supporte tout. Et surtout, ce qu'il est, c'est qu'il cherche en fait le bonheur des autres. Amen. Amen. Son cœur n'est pas un cœur qui... C'est dit parce que lui, il est positionné et il veut que les autres aussi soient positionnés. Amen. Mm-hmm. L'amour de Dieu dans son cœur le pousse effectivement à pouvoir chercher par tous les moyens à vivre la parole de Dieu. Il n'est pas un voleur parce que Dieu n'a pas fait de lui voleur. Dieu a fait de lui un fils. Amen. S'il était... C'est pourquoi... C'est pourquoi il faut toujours penser à ce que Dieu a fait pour vous, pour ne pas laisser l'ennemi toujours vous ramener à ce que vous étiez. Amen. Amen. Oui. Sur le chemin où nous allons, nous avons des chutes. Oui. Nous sommes dans la chair. Les hauts et les bas, nous les avons. Nous pouvons tomber. Mais mon frère, ma soeur, ne fixe pas le regard sur ce que tu as fait tomber. Quand tu es passé par là, Dieu t'a accordé la grâce de te relever. Fixe le regard devant. Amen. Va de l'avant. Amen. Ne laisse pas les boulets t'accrocher tout le temps. Hein, ce que j'ai à pouvoir faire. Il y a un endroit où quand tu te plonges, j'ai toujours eu à pouvoir l'aider, je répète encore, frère, aussi attention que la grâce, effectivement, le seul péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir commis adultère, vous avez avorté 150 fois, volé les banques, volé l'État, je ne sais pas, tout ça, quand vous vous repentez de tout votre cœur, dites Seigneur, je n'en veux plus, Dieu pardonne. Amen. Quand Dieu a pardonné, il a effacé. Amen. Personne ne peut vous suivre derrière. Amen. Vous avez fait, vous avez dit non. Puisque Amen. J'ai déjà confessé à Dieu, Amen. Il a pardonné, je ne veux plus. Oh non, tu sais, toi. Vous êtes retourné. Je donne un exemple. Maintenant, je donne un exemple. Là, juste un exemple pour que vous puissiez voir. Le frère, il était dans le monde. Je ne sais pas moi, il était dans le monde. Mais il a eu à pouvoir avoir une aventure avec une jeune fille. N'est-ce pas? Maintenant, il est venu en Christ. Elle dit, ah ben moi, avec ces histoires-là, terminé, fini, je me repens, je mets ma vie en ordre avec Dieu, effectivement. Et il est devenu quelqu'un qui s'accrochait à Dieu, il veut maintenant servir Dieu, toute sa vie entière. C'est-à-dire, là, le monde se sont passés, effectivement, c'est passé, c'est enterré. Maintenant, il est venu, et puis voilà, maintenant, il sert le Seigneur, un 6 mois, 1 an, 2 ans, l'homme tellement donné à Dieu, effectivement. Et puis, paf, la jeune fille est passant, voit le jeune homme qui rentre ici. Et puis, ben, oh, Jean Gabin. Qu'est-ce qui se passe? On dit, oh non, comment te dis? Il dit, non, non, Jean Gabin, je sais plus. Comment t'as, t'es plus le même Jean Gabin, je te connais. Et puis, ben, il dit, tu vas où? Et puis, je suis dit, oh. Et puis, quand Jean Gabin sort, il est venu te dire, tu sais, toi et moi, tu connais quand même, hein? Tu sais quand même ce que nous étions, hein, Jean Gabin? Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu sais comment, hein, Jean Gabin? Jean Gabin, il commence à avoir les troubles dans la tête. Quand même, tu sais, quand même ce que nous avons, hein, Jean Gabin? Qu'est-ce que Jean Gabin va faire? Il dit, mais
ce que moi j'ai eu à pouvoir avoir quand j'étais avec toi à l'amour, c'est terminé. Amen. Dieu a accordé la grâce, je me suis repenti devant Dieu. Amen. Et maintenant ma vie à moi est consacrée à Dieu. Et de tout mon cœur, je veux maintenant marcher avec ce Dieu. Amen. Ce que Dieu va faire avec moi dans l'avenir, ça le concerne. Ça ne me fait plus. Vous comprenez cela? Amen. Mais si lui, il a dit, ah c'est vrai, Seigneur, je me souviens, avec Joséphine, c'était en 1940, maintenant je suis en 2016. Puis avec Joséphine, et Joséphine me suit aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, c'est là que lui, il a commis l'erreur. Mm-hmm. Joséphine est venue avec un démon pour réveiller ce que Dieu a déjà enterré. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si lui n'est pas instruit, il tombe dans le piège de l'ennemi. Amen. Ah oui, c'est comme si le sang de Christ n'a rien fait pour lui. Amen. Lui, il a été lavé, nettoyé. Amen. Joséphine, c'est dans les oublis. Joséphine n'a plus rien à voir, même s'il n'est pas ça. Oh, mais tu sais, voici ma chemise de bonheur. J'ai dit non, je n'ai plus rien à voir avec toi. Amen. Mon chemin, c'est avec Dieu. Amen. Mon frère et ma soeur, il faut que nous soyons instruits de Dieu. Amen. Pour ne pas laisser à l'ennemi l'avantage. Amen. Parce que Satan, le corps va te tenir quelque part. Il dit, moi, je te tiens effectivement ici, effectivement, il te dit, ah, Seigneur, je ne vais pas m'en aller. Non, les boulets doivent être laissés. Amen. Tu as confessé, tu as demandé pardon à Dieu. Marche avec Dieu. Amen. Va de l'avant. Maintenant, consacre-toi maintenant à faire ce que Dieu attend de toi. Amen. Les œuvres justes de saints. Aime, agis, la bonté, arrête de parler du mal de ton frère. Amen. Et ta sœur, sois dans tes pensées, dans ton cœur droit, même si le monde était contre toi, toi sois droit. Amen. Aimez Amen. Même vos ennemis. Amen. Vous n'haïssez personne, mais qu'on vous puisse haïr. Oui, mais vous aimez vos ennemis. Bénissez. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Effectivement, vous serez ainsi les fils de votre Père, lui qui fait lever son soleil, tant pour le bien, qui est bon, que pour le méchant, que pour le bon. Donc soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est. Amen. 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 Comme si sa parole considère ses promesses. C'est vrai, je vais te dire un peu de l'eau à l'eau.
célèbre mon bénéfice. Aime les amens, mon bénéfice. Et que ces amens, ils vivent en son monde et dans les amens, mon bénéfice. Je chanterai le chant de Sion, que tu as pour moi. Fais-moi vivre dans ton monde. Laisse-moi le ta
parole à toi dans sa chambre, bébé. Amen pour le taïs. Amen pour le monde, et ma nom est la tour, bébé, bébé. Amen, afin que nous puissions pardonner les morts. Oh Dieu, tu sais que nous sommes. Afin que nous puissions nous donner à toi, notre Dieu. Afin que nous aussi nous pouvons dire, mon bébé, c'est nous qui vivons, mon bébé, mais c'est toi qui viens en nous, mon bébé. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, mon Père, je suis là, je t'en supplie. Envoie par la même mauvaise réponse, conduis-moi dans ces chemins qui est la vérité, qui est toi, non. Oh Dieu, du jour au jour, j'implore ta grâce et ta miséricorde, afin que je puisse mettre à la vie, mon bébé, maintenant. Oh Dieu, pour cela, aujourd'hui, à son Dieu, à parler, mon bébé, maintenant. Oh Dieu, afin que l'ennemi ne puisse pas venir, mettre les trouver, c'est mes sentiments sont déjà, mon bébé, maintenant. C'est pour cela qu'il fait encore, que cela soit rénové au dedans, que cela puisse prendre la place pour se mettre au niveau de moi. Je t'en supplie, mon bébé, mon roi. C'est un gros divin, je t'en prie réellement mon cœur, oh Dieu, que je puisse encore, oh Dieu, davantage mon sauveur, mon Dieu, accorde-moi ta grâce, pardonne encore, sauveur béni, là où j'ai manqué, là où j'ai blessé, vraiment c'est beau, Jésus ciel, pardonne-moi, sauveur béni, oh, dans le cœur, il y avait quelque chose contre mon frère, on est là avec moi, pardonne-moi, mon bébé, Père Saint, je t'en supplie, je vais tiens devant toi, mon bébé, Père. Merci Père, par la force Père, que tu n'es rien de bon, tu es un homme comme le mien, et que ce soit de la guerre d'amour, si ce n'est que ta bonté Seigneur, toi tu n'avais pas pris en place, nous serions tous, nous serions mon bien-être, que la justice de la vie qui c'est pour cela que j'avais pris cette place pour le en fait, on ne peut plus devenir parfait. Oh Dieu, accorde-moi encore cette place pour mes frères, que je puisse mettre en marche avec toi, et combattre un bon combat pour mes frères. Oh, en soutenant toujours ce qui est juste et correct pour mes frères. En regardant toujours ce qui est juste et correct pour mes frères. Oh, sauveur béni, merci encore pour ton amour à toi. Et tu as éveillé encore dans mon âme, dans mon cœur, mon âme, mon âme, au travers de ta parole à toi. Oui, c'est vrai, tu es vraiment le Dieu qui veille. Tu es vraiment le Dieu qui prend contrôle, oh Dieu de Père. Il veut vraiment réinventer ton peuple à toi. Sois conduit vers le même partirage, mon Dieu de Père, afin que nous soyons nourris et que nous devenions forts, mon Dieu de Père. Oh Dieu, merci encore. Je te remercie, je te glorifie. Je bénis ton Père, veillez-vous sa nom. Oh, encore une fois, ton nom soit exalté et glorifié pour toujours à jamais. Oh, sauveur béni, que ton amour à toi me prendra et m'aille à la place au dedans des lourds. Et dans la vie à toi, oh Dieu, sa parole se manifeste pour tout le monde. Merci. Agrée-moi encore cet eau, assez-moi toi, mon bébé père. Je suis à part mes pères, je crois de tout mon cœur, de tout mon âme. Oh Dieu, que tu es pour moi et que tu agis encore. Merci encore pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait. Oh Dieu du ciel, merci pour ta parole à toi. Qui est sorti avec les puissances pour les regards. Enfin, accordez nous tailler, enfin, accordez nous donner la forme exacte que tu es, mon bébé père. Gloire à toi. Honneur à toi, louange à toi, notre Dieu. Si tu es fortifié à ton nom, c'est déjà à toi. Oh oui, c'est ça, vous êtes le Père Saint. Allez, pour nous, nous pouvons pas réaliser ce que tu fais. Au niveau de cette chair, mon Père Saint. Parce que c'est Dieu, les dieux vivants qui prennent contrôle de lui, mon Père Saint. C'est toi, les dieux vivants qui descendent et qui parlent à ton Père Saint. Parce que tu touches vraiment nos cœurs. Parce que tu touches nos intérêts, mon Père Saint. Parce que tu fais vraiment que cette nature mauvaise puisse sortir. Je n'ai pas un homme qui me fait parler.
Est-ce que toi, Seigneur, oh Dieu, est-ce que la crainte de Dieu s'installe dans le monde de l'éternel? Que nous puissions être pas possible de tourner à votre Seigneur, ce roi. Avant que ma vie ne se pose sur la télé, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Oh, accorde-nous cela. Respectez-moi ta parole à toi. Respectez-moi l'homme que toi tu as mis entre les mains de ton peuple à ton souverain de personne. Oh Dieu, enlève les habitudes au devant de nous, oh Dieu d'amour, afin que les habitudes ne puissent pas s'installer. Oh Dieu, parce que si les habitudes s'installent, tu les perds. Oh Dieu, c'est qu'à ton nom, aime à toi, mon Dieu de personne. Non, pas de la chair, que les habitudes soient surveillées. Oh Dieu du ciel, c'est pour toi, je t'en supplie. Oh, que les habitudes ne puissent pas s'installer, surveillées. Oh Dieu d'amour, que nous puissions vraiment considérer ton cœur à toi. Et que nous puissions vraiment te voir toujours en action, mon Dieu de personne. Oh Dieu de Père, accorde cette grâce. Travaille à ton nom, dans tes nous, mon Dieu de Père. En s'approchant toujours de nous, ce que toi tu as placé. Et que nous puissions vraiment voir ta main puissante agir réellement. Merci Père, agis encore au milieu de nous. Oh Dieu, parce que tu n'as pas changé. Oh Dieu, que tu as commencé à aimer. Tu choisis toujours l'homme. Alors regardons Père Moïse, mon Dieu de Père. Il a dit, je te ferai de grand pharaon. Toi qui n'as pas changé. Tu es le même que jusqu'au jour. Tu prends toujours l'homme. Oh Dieu, fais comme un Dieu devant ces hommes en fait de parler. En fait de communiquer à ton Père à toi. C'est pour cela, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Pour ton choix à toi. Pour ce que tu as choisi. À cet homme. Oh, que tu es appelé de faire l'histoire avec nous. Nous te remercions. Oh, je nous voulons repasser respect pour les Mon frère sera pour tout le temps, mon Dieu de Père. Et pour cela, tu prends toujours un homme pour conduire ton frère à toi. Car tu lui entre les traits de ta mère, mon Dieu de Père, afin qu'il soit environné de toi. Pour l'extérieur de l'intérieur, que toi tu puisses s'en prendre pour qu'on ait cette place que tu as choisie. Enlevé, et il est richement fortifié. Et puis tu continues à marcher devant ta face à toi. Comme tu as marché avec, oh, tous les saints qui l'ont précédé, mon Dieu de Père, ça. Oh, je souviens-toi de lui, afin que tu puisses les garder, afin que tu puisses approuver, Seigneur, les fortifier. Et puis, c'est ton Dieu. Oh, je souviens-toi de lui, parce qu'il a besoin de toi. À chaque fois, Père, que tu puisses les réunir, comme un aigle, mon sauveur, mon Dieu, mon roi, et donner la force aux yeux d'amour, qu'il soit en bonne santé, et qu'il soit en forme, sauveur, mon Dieu. Souviens-toi qui ne change pas. Souviens-toi de lui, mon Dieu, le Père. Oh, sauveur béni. Oh, Dieu, dans ton contrôle, et ton serviteur à toi, ainsi que toute sa maison, mon Dieu, le Père. Oh, Dieu, que tu puisses les marquer. Oh, tendre Père, à ce moment aussi, que tu puisses les souvenir aussi, et tous les hommes, oh, Dieu, que toi aussi tu as choisi, afin d'amener, afin de proclamer cette bonne nouvelle. Oh, lui aussi, mon Dieu, le Père, que tu puisses aussi les aider, les soutenir, les fortifier aussi. Et aussi la même chose avec les mauvais personnes. Afin que ta parole à toi soit proclamée. Dans la vie des mauvais personnes. Qu'il n'y ait pas de mélange. Qu'il n'y ait pas de compromis. Afin que ton peuple soit bien nourri, mon Dieu, le Père. Afin que nous ayons la bonne santé, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merci, Père, toi qui veilles. Nous croyons que tu veilles toujours. Parce que ce que tu avais dit à ton serviteur Samuel. Oh, qu'est-ce que tu as dit? Oh, tu as dit, oh, tu as bien dit, c'est comme moi j'ai fait ici ma parole. Tu ne changes jamais. Jusqu'aujourd'hui, tu veilles toujours sur ta parole. Parce que tu as dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es vivant. Oh, Dieu, merci encore pour cette nourriture que tu nous as donné, qui nous donne la force, qui nous donne la santé, qui nous montre les chemins, oh, qui conduit nos pas, mon bébé, personne. Oh, Dieu, qui enlève de tout ton état de l'eau. Oh, Dieu, qui fait réellement
manquer. Oh, cette nourriture qui manque réellement. Et nous voulons être en bonne santé, mon chemin, mon Dieu, mon roi. Merci encore, Père. Merci pour tout ce qui est offert. Merci pour tout ce qui est offert, mon bénévole Père Saint. Laisse que mon âme puisse encore te bénir. Laisse que mon âme puisse t'aimer davantage, mon bénévole Père Saint. Marcher avec toi. Oh, du jour au jour, des progrès en progrès, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merci que ton nom soit encore béni. Que ton nom soit exalté pour que je ne jamais. Gloire à toi, honneur à toi, notre Dieu, pour toujours à jamais, qui est éternellement notre Dieu, ô Dieu, notre sommeil, Dieu, notre rédempteur, ô Dieu, tout pour nous, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, Père. Merci encore. Merci, sommeil. Pour ton amour et ta grâce. Le Seigneur entend. Je veux garder tes statuts, sauver mon âme du péché, t'aimer ici, Seigneur, mon Seigneur, entends, Seigneur, I'm not afraid of the dark.
Parce que tu nous appelles, Seigneur, à tout faire.
perfection, à manifester les œuvres de la perfection, que toi tu as préparé d'avance, afin que nous puissions les raconter. Seigneur, accorde-nous ta grâce, mon amour en tout le monde, et te bénis, Seigneur, pour ton service, et ta perfection, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, nous te bénissons, mon Dieu, que ce n'est pas l'homme, mon sauveur, mais c'est toi qui parles au travers de l'homme. C'est pourquoi, mon Dieu, tu as donné la foi de pouvoir croire en la parole qui est sortie, Seigneur. Oh, ta Seigneur, la parole de l'homme, mais c'est la parole vivante. Soit réellement chassé loin d'elle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions pour notre sœur Irène. Tendre Père Céleste et notre Dieu, devant toi nous venons encore nous incliner. Ô Père, implorer ta grâce et ta miséricorde
corps que vous serez ébahis, mon Père. Tu vois, Seigneur mon Dieu, ce que les médecins pensent trouver dans son corps. Mais tu es le Dieu de ta parole, mon Sauveur. Tu as dit que par tes vertus sûres, nous avons déjà été guéris, Seigneur. Les médecins peuvent voir et penser ce qu'ils veulent, mon Sauveur. Mais nous ne voulons rien avoir que la pensée de Christ. Toi, tu as dit, Seigneur, que tu as formé les projets de bonheur pour nous. Pour ma sœur et ma vie, Seigneur, tu as formé les projets de bonheur, mon Sauveur. Ainsi, Seigneur Jésus, tu es venu sur la terre. Tu as porté réellement les maladies. Tu es monté à la croix. Tu les as crucifiés, mon Sauveur. Par ta mort et par ta résurrection, nous avons la puissance et la victoire sur toutes choses, mon Père. Laisse que ce démon, Père, soit réellement chassé au nom de Jésus-Christ. Que la vie, Seigneur, qui serait dans ces cellules, mon Dieu, que cette vie soit détruite, mon Sauveur. Que ma soeur soit en parfaite santé. Qu'elle soit en bonne santé, mon Dieu. Qu'elle soit restaurée, guérie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père, tu le fais, oh Dieu. Tu l'as déjà fait, mon Sauveur. Et tu le feras encore, Seigneur. Parce que tu es le Dieu fidèle à ta parole. Nous t'invoquons, nous te louons, nous t'exaltons. Parce que tu es le Dieu de ta parole, mon Père. Il n'y a rien qui soit impossible à toi. Tu es le grand médecin, le Dieu de l'impossible, mon Sauveur. Oh, nous connaissons vraiment ce Dieu puissant qui lève les dessous. Tu es le Dieu, notre Père. Tu entends nos prières, oh Dieu. Ce matin, Père, nous crions à toi et nous implorons ta grâce. Nous t'assurons, notre Dieu, entends nos prières et exauce notre Père. Guéris-la, mon Sauveur, pour qu'il puisse témoigner de ce que toi tu as fait, Seigneur. Et qu'elle vive éternelle pour la gloire de ton nom, mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Merci, ton Père, parce que tu es fidèle et fidèle. Amen, la grâce, mon Dieu, que cet enraînement ne puisse pas se réjouir, mon Dieu, mais qu'éternellement ton nom seul soit célébré, notre Père, que ton nom soit exalté, et que le témoignage aille loin de ce que toi tu as fait, de ce que tu feras encore, Père. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans ta grâce. Louons-nous maintenant. Merci, Père, pour la présence de ton amour, de la gloire, de la puissance, de l'autorité à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre sœur Chantal remercie le Seigneur pour la guérison de Jérémie pour qui nous avons prié et demande que l'on prie pour son salut afin qu'il revienne vers Christ et que Dieu vous bénisse richement. C'est notre sœur Marie Chantal. Nous allons prier pour Jérémie. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, c'est notre Dieu. Combien, Seigneur, nos cœurs sont touchés de voir ce que la reconnaissance de ta servante, ô Père, de son fils Jérémie. Seigneur, nous avons prié pour Jérémie en ce lieu, alors qu'il était réellement malade, mon Père. Mais toi, tu as témoigné de ton amour et ta grâce envers lui, et tu l'as guéri, mon Sauveur. C'est pourquoi ma sœur vient réellement reconnaître réellement ta grandeur, être reconnaissante à toi, Père, de ce que tu as fait, Seigneur, dans sa vie, et de la vie de son fils, mon Père. Et souviens-toi d'elle, mon Père, toutes les fois, Seigneur, qu'elle a prié, toutes les fois qu'elle a pleuré pour cet enfant, mon Sauveur, qui aujourd'hui s'est éloigné de toi. Mais nous savons, Seigneur, que Satan n'a aucun pouvoir, mon Sauveur, sur nos enfants, Seigneur, et sur tout ce qui nous appartient. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, nous venons devant toi, ton Père, réclamer réellement Jérémie, ô Père. Nous voulons vraiment le réclamer, oh, dans les mains de Satan, que réellement Satan puisse lâcher prise, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, que tous les liens, Seigneur, qui l'empêchent de pouvoir revenir à toi, que tous ces démons, Père, qui l'empêchent de pouvoir, Seigneur, revenir à ta parole, que ces démons soient chassés, oh Dieu. Touche son cœur, mon Père, car si cet enfant était consacré à toi, Seigneur, tu le connais, oh Dieu, même si aujourd'hui, Seigneur, il est allé dans le monde, mon Sauveur, mais c'est ton fils, oh Père éternel, entends nos prières et exauce, oh Dieu. Ramène-le dans ta parole, mon Sauveur, dans ta maison, oh Dieu vivant. Tu sois encore aujourd'hui, tu ramènes encore les cœurs aujourd'hui, comme l'enfant prodigue, mon Sauveur. Tu le fais encore aujourd'hui, Père, fais-le pour Jérémie, mon Sauveur, que vraiment tous les liens soient brisés, Seigneur, qu'ils soient réellement séparés, au nom de Jésus-Christ, avec tout le monde, mon Sauveur, pour qu'ils puissent se consacrer à toi. Seigneur, nous crions, oh Dieu, nous croyons que tu es de fidèle. En ton temps, mon Sauveur, tu le fais, Seigneur, tu l'as fait pour beaucoup parmi nous, mon Sauveur, tu le feras encore, mon Père, parce que tu es fidèle à ta parole, mon Dieu. Nous le confions de tes mains, mon Père, que ta grâce le suffise, mon Sauveur, que ta grâce l'environne et le couvre, mon Père, qu'il puisse vraiment être touché dans son âme, dans son cœur, ô Père, et revienne à toi, Seigneur, parce que ta parole est réellement la vérité. Accorde la grâce, Seigneur, entends les prières de ta servante et exauce-la réellement. Exauce le nom de Dieu des cieux, mon Père, parce que tu es celui qui se plaît réellement à nous exaucer. Tendre Seigneur, accorde la grâce. Bénis Jérémie, Père, nous confions tes mains, qu'il soit protégé et gardé par toi, et que ta parole réellement, Seigneur, cette parole qu'il a entendue depuis qu'il est enfant, que cette parole puisse agir, mon Sauveur, que cette parole puisse réellement être une lumière, Seigneur, mon Dieu, sur son sentier, et une lampe, Seigneur, qui puisse l'éclairer afin de trouver le chemin. Sois béni, notre Dieu, sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Mon frère Gislain,
demande que nous puissions prier pour lui parce que demain, il part pour La Rochelle. Demande donc si nous pouvons penser à lui dans nos prières afin que le Seigneur le bénisse à l'aller comme à l'arrivée, même pendant son séjour. Prions pour notre frère Ghislain. Tendre Père Céleste et notre Dieu, encore une fois, nous voulons penser à notre frère Ghislain qui se recommande à nous dans nos prières pour son voyage qu'il va effectuer demain pour La Rochelle. Si tel est ça, si tel est ta volonté, mon Père, nous le confions entre tes mains, mon Dieu, afin que tu le gardes, que tu le protèges. Tu sais, Seigneur, mon Dieu, combien il compte pour nous aussi, Seigneur. Nous voulons le confier à toi, afin que tu bénisses son chemin, Père, que tu bénisses son voyage, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il arrivera, mon Père. Tu es le Dieu de ta parole, mon Seigneur. Tu veilles sur notre départ ainsi que notre arrivée. Bénis son séjour, mon Dieu, qu'il soit gardé et protégé par toi. Que l'ange de l'Éternel soit à ses côtés, aussi longtemps qu'il gardera ta parole dans son cœur, mon Sauveur. Sois avec lui, Éternel. Bénis notre frère Daoud aussi dans le soir. Sois avec lui, Seigneur, tout le temps nous serons ensemble. Et lorsqu'il reviendra notre Père, nous ne manquerons pas de te louer et de te glorifier, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, mon Sauveur. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et l'exécuter. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi la puissance et la majesté. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Reçois-moi la gloire, mon Sauveur. Sur notre frère, protège-le, Éternel, qu'il soit vraiment entouré par devant et par derrière, et que ta main soit sur lui, Éternel. Louange et honneur à toi, et que partout il passera, Seigneur, qu'il soit réellement, ô Dieu, une lumière, mon Sauveur, et qu'il puisse réellement témoigner de ce que toi tu fais encore aujourd'hui. Sois béni, notre Père, sois exalté pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je vais demander à ma sœur Dorine. La sœur Dorine remercie le Seigneur. God bless you so much. I want to thank God for peace. Je voudrais remercier le Seigneur pour la paix, pour la joie et pour l'amour et pour la guérison qu'il m'a accordée. Que Dieu soit loué. The love of God is greater far than tongue of pain can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to
des maux de tête, trois fois plus. Je priais, et là maintenant, je ne sens plus rien. Amen. Sur ce, le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre Seigneur, que Dieu soit réellement glorifié. Rien que par l'écoute de la parole, Amen. Le Seigneur guérit encore. Amen. Que son nom soit réellement glorifié. Amen. Je rappelle donc les dates des réunions de fin d'année. Donc cette année, nous commençons le jeudi 24 décembre. À partir du jeudi 24 décembre, 19h, jusqu'au 31 décembre 2015, nous aurons donc notre veillée de fin d'année. Et si nous commencerons à partir de 21h30, nous aurons donc la veillée. Le samedi 26 décembre, nous aurons réunion à partir de 14h, comme le lendemain, nous avons culte le matin. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous préparer pour ces moments bénis pendant lesquels nous serons dans la présence de notre Dieu. Prions pour notre pasteur afin que le Seigneur le maintienne vraiment, qu'il le tienne en forme et qu'il lui donne vraiment ce dont nos âmes ont réellement besoin. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Je voudrais juste avant de terminer, demander, poser une question, peut-être même deux. Qui sont ceux-là qui aiment réellement notre pasteur? Amen. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent par mon frère, tu n'aimes pas ton pasteur. Qui dit que je dis ce choix. Et puisque nous l'aimons, nous aimerons bien qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient en forme. Amen. 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 Alors, je voulais demander à tous les frères qui voudraient avoir une visite ou une audience aujourd'hui avec le pasteur pour pouvoir patienter pour mercredi prochain. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Donc aujourd'hui, après la réunion, bien entendu, frère Jonas, nous pourrons aller dire bonjour au pasteur, il n'y a pas de problème. Mais après que nous ayons dit bonjour, nous tous, ceux qui en tout cas voudraient dire bonjour au pasteur, après nous pourrons le laisser rentrer à la maison. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Maintenant, nous allons prier et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous encore aujourd'hui. À lui seul soit vraiment la gloire, la puissance. Il nous a guéris, il nous a libérés, il nous a délivrés, il nous a remplis. Et il nous prépare vraiment pour son retour. À lui soit vraiment la gloire. Parce qu'il vit, mon frère. Mon frère Rosario. Je n'ai rien à craindre. Ancora e se tu vivi noi viviamo con te, Signore. Ti ringraziamo e ti glorifichiamo, Signore, poiché hai messo tanta gioia nei nostri cuori ancora in quest'oggi, Signore, essere radunati qui dinanzi a te, Signore. Tu ci hai rallegrati attraverso la tua parola, hai dato questa parola, Signore, che veramente è un consolatore, Signore. Tu ci consoli, tu ci sostieni, tu ci fortifichi, Signore. Amen. Gesù. Amen. E ti ringraziamo poiché siamo il tuo popolo che tu hai scelto, che tu hai eletto, che tu hai predestinato avanti la fondazione del mondo, Signore. Siamo riconoscenti a te, Signore, per l'amore che tu metti nei nostri cuori, Signore. È una grazia, Padre. Lo sentiamo e viviamo ancora questi momenti di gioia, Amen. Questi momenti magnifici, Signore, in cui siamo radunati, Signore, sotto quel nome prezioso e meraviglioso di Gesù Cristo, dove ogni ginocchio si piegherà e dove ogni lingua confesserà che tu sei il Signore Gesù. Alleluia. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti innalziamo, Signore, poiché la lode, la gloria e il ringraziamento appartiene solamente a te, all'unico vero Dio, al nostro Dio, a colui che ci ha redenti da questo mondo di tenebre, poiché sappiamo che questo mondo passa via
con la sua concupiscenza, ma è la tua parola, Padre, che rimane in eterno. E noi, Signore, ci stiamo preparando, anzi, Tu stai preparando noi, Signore, attraverso questo insegnamento, poiché Tu hai detto, Signore, gli ultimi tempi, Signore, sei Tu colui che ci insegni. Sì, Signore, Tu ci istruisci, Signore, attraverso la Tua parola, affinché, Signore, possiamo comprendere, Signore, il modo in cui possiamo prepararci, Signore, attraverso l'ubbidienza della Tua parola, Signore. Vogliamo essere ubbidienti a Te, Padre. È quello, Signore, che ci arde di più, è quello che i nostri cuori bramano, Padre, quello di essere ubbidienti a Te, Signore. Vogliamo abbandonare ogni cosa che dispiace a Te, Padre, ma magari attraverso, Signore, tutto quello che ci mette il nemico dinanzi, Signore, per distrarci della Tua comunione. Ma Signore, Tu sei colui che veglia nei Tuoi figlioli, Signore. Tu non permetti, Signore Gesù. Oh, Padre, Signore del cielo e della terra, Ti prego, Padre, aiutaci, Signore, a superare ogni ostacolo, poiché Tu conosci i nostri cuori, Padre. Tu ci conosci, la nostra brama verso di Te, Padre, è quello di fare appieno la Tua volontà, Signore. Vogliamo abbandonare ogni cosa che dispiace a Te e vogliamo consacrare la nostra vita a Te. Vieni in nostro soccorso, Signore. Oh, aiutaci, Signore. Se noi siamo deboli, Signore, Ti preghiamo ancora in quest'oggi, Signore. Rendici forti in Te, Signore. Poiché se Tu sei con noi, chi sarà contro di noi, Signore Gesù? Gloria e onore a Te, Padre. Grazie per tutto quello che fai, Signore. Poiché, Signore, Tu Ti muovi in compassione in ciascuno di noi. E sappiamo, Signore, che le Tue compassioni non si sono esaudite, ma Tu li rinnovi ogni mattina verso il Tuo popolo. Tu sei un Dio misericordioso, un Dio pietoso, lento all'ira, ma di grande benignità, Signore. Gloria e onore a Te. Ti ringraziamo, Ti benediciamo, Padre. E ancora, Signore, Ti presentiamo il Tuo servitore, Padre. Tu sai, Padre, che ha tanto bisogno di Te, Padre, e noi preghiamo intensamente per il Tuo servitore affinché Tu lo possa sostenere nel continuo, fortificarlo, riempirlo di Te, di dargli la forza, Padre, affinché possa continuare a portare la Tua parola al Tuo popolo, che abbiamo tanto bisogno. Sì, Signore, abbiamo tanto bisogno della Tua parola, poiché la vogliamo vivere e la vogliamo manifestare, Signore Gesù. Questo deve essere la nostra natura, Signore, in questa terra, Signore, poiché sappiamo, Signore, che nei luoghi celesti deve essere lo stesso, Signore, ed è per questo che ci prepariamo, Signore Gesù. Benedici ancora mio fratello cristiano, Signore, che Tu lo sostieni, lo fortifichi e che Tu continui a guidarlo, Padre. Ancora ogni mio fratello, ogni mia sorella, Signore, che lavorano ancora in questo luogo, Signore, e tutti coloro che sono qui presenti, Padre, benedicici tutti assieme ancora, Padre, e tienici stretti a Te nel vincolo dell'amore, poiché è bello e caro quando i fratelli dimorano assieme nell'unità dello Spirito Santo, Padre. Questo deve essere la nostra vita, questa deve essere la nostra brama, questa deve essere la nostra gioia, tutti assieme di pari consentimento, Padre. Benedici ancora la corale, benedici i cantici, le preghiere, Padre, che si sono elevate a Te, dinanzi al Tuo trono, Padre, poiché Tu sei colui che esaudisci, Signore Gesù, le preghiere, Padre. Benedici le decime, benedici le offerte, Signore, che il Tuo popolo ha portato ancora in questo luogo, che serve per l'avanzamento del Tuo regno, per l'opera Tua, Signore, che Tu hai iniziato, Padre. E ancora benedici tutti coloro che sono stati collegati per via internet, Signore. Dagli la stessa benedizione come Tu hai benedetto a noi, hai benedetto anche a loro, Signore. E Ti preghiamo, Padre, ancora in questa comunione fraterna che dobbiamo avere, Signore, ancora oggi, Signore, tienici, Signore, uniti, Padre, nel vincolo dell'amore, Signore. Vogliamo sperimentare questi momenti di gioia, vogliamo sperimentare questi momenti magnifici, Signore, in cui Tu ci tieni legati gli uni verso gli altri, in questo amore grande e meraviglioso. Rimani con noi, Padre,
poiché abbiamo ancora tanto bisogno di te, abbiamo bisogno della tua mano, Padre, che ci sostiene, che ci fortifichi sempre di più in te, Signore. A te l'onore, a te la gloria, a te il ringraziamento, Padre, nel nome prezioso e meraviglioso di Gesù Cristo. Amen. Amen.